Du coup, quelqu'un vient de dire review, lance maintenant STP, du coup, ok. Alors, l'autre grande nouvelle, c'est que j'ai une manette. Aujourd'hui, j'ai une manette. Aujourd'hui, j'ai une manette, je peux obliger de jouer au clavier. Je suis allé jusque chez Boulanger. Non, c'était la dèche la plus terrible. Comment ça peut être si dur de choper un câble USB, tout USB, tout micro USB, genre. Je me suis traîné jusque chez Boulanger. J'ai fait tout le rayon gaming, ils en avaient pas un. Et c'est dans le rayon pour les chargeurs de portable que j'ai fini par trouver ce truc. Ok, très bien. Alors normalement... Rendez-moi ma souris s'il vous plaît. Normalement, si je fais... Tac! Ouais, voilà. Voilà, ça marche. On a le jeu et ma tronche. De face en plus. Vraiment, si c'est pas... C'est pas spectaculaire ce qui est en train de se passer. C'est pas un stream, c'est pas une prod de stream digne des plus grands, vraiment, je sais pas quoi vous dire. Aussi, je suis vraiment aigri de fou. Je prends sur moi, je suis courageux, je le montre pas trop, mais je suis aigri de fou aujourd'hui. J'étais en train de bosser sur la vidéo Outer Wilds, donc j'étais en train de me retaper les 15 heures de let's play qu'on avait fait sur Twitch la dernière fois. Et je voulais vraiment, encore plus que sur Tunic, je voulais mettre les réactions du chat. Et je voulais mettre les réactions des gens et comment ils ont fait le truc avec moi et découvert les trucs avec moi. Et il y a une des parties qui a juste perdu le chat. Il y a une des parties qui a juste perdu le chat. Genre il y a une partie sur 8, ce qui représente bien quand même presque 3 heures de jeu, où le chat a sauté pour aucune raison. Il a disparu de Twitch. Et c'est pas gravissime. Genre ça se verra probablement, se remarquera probablement même pas sur la vidéo à la fin, mais vraiment, j'avais plein d'idées de passages sympas pour la vidéo que je peux pas faire pour une raison idiote qui est que vraiment ils ont codé leur site avec la sub, genre ça me turbo tilt. Yes, jouons à Hollow Knight pour oublier que Twitch c'est un site honteux et que tout le monde devrait streamer sur YouTube en fait. Merci pour les subs. Alors attendez, j'ai raté plein de subs. Semi-poulpe. Big Baston, je viens de comprendre pour la première fois de ma carrière où je peux retrouver les gens qui sont abonnés des fois que je les ai ratés. Clem underscore. Le vent des jours heureux. Ok. Et du coup, le vent des jours heureux qui en a offert 10 derrière. Très bien. Merci beaucoup. Tac. YouTube, tu dis une insulte, t'es grain de sel. Ouais mais mec, regarde. Est-ce que c'est motif de ban de Twitch si je commence à vous énumérer toutes les raisons pour lesquelles YouTube enterre Twitch en termes de plateforme de streaming? En vrai. Dites-moi tout. Est-ce qu'il y a des snitchs dans le chat qui vont clipper et envoyer à la direction de Twitch? En vrai, il y a des chances. Hein. Il y a vraiment des chances pour que ce soit motif de ban. C'est pas sûr qu'une plateforme accepte que t'ailles sur une plateforme pour expliquer pourquoi personne devrait être sur cette plateforme. Du coup, je vais juste... Alors aussi, je viens de percuter que probablement que je peux renvoyer ces trucs, en fait. Mais oui, c'était sûr. Ah, par contre, je pensais qu'il mourrait du premier coup. Ok, c'est... Combien de hits? C'est 2. Pas impossible, hein. Pas impossible. Du coup, vive Twitch, en fait. Quelle plateforme incroyable. Aïe. Bon, faut que je m'habitue aux touches. Il y a des trucs comme A pour sauter et X pour taper qui sont évidents. Le reste, j'ai aucune idée de comment je suis censé le faire à la manette. Ah, ok, ouais, je vois le problème. On va aller récupérer notre arme en fait. Un petit tweet, ouais, je pourrais le tweeter. Twitter va pas ne me kamehameha pas encore, frère. Tu l'as fait, c'était sûr. La cam centrée, mais ouais, mais... Oh, je regardais le chat! J'ai un point de vie, déjà. Let's go. Tu m'as rendu la possibilité d'avoir des âmes, mais tu m'as pas rendu mes âmes. Ce qui est malheureux. Ouais, la cam est centrée, messieurs, dames. Ce qui est perturbant. Et ce qui restera pas, parce que vraiment, je peux pas bouger mes... Alors... Pour que les... Ah, merci pour le sub, Kuro. Jerishima offre un an d'abonnement, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Je ferai peut-être un tweet de mec extrêmement salé pour expliquer pourquoi YouTube enterre Twitch en vrai. On verra.
Et pourtant YouTube perd la bataille, hein. Il y a plusieurs gros... Laissez-moi. J'ai vu récemment plusieurs mecs relativement gros qui... Enfin, gros, relativement gros. Pas des géants, hein, mais j'ai vu quelques mecs qui étaient partis essayer de streamer sur YouTube qui ont fini par revenir parce que le public est très clairement sur Twitch. Donc Twitch est en train de gagner la bataille et je suis pas sûr de capter pourquoi, mais... Le chat YouTube est vraiment horrible et ça donne pas envie d'interagir. C'est vrai, le chat est supérieur sur Twitch, mais c'est legit la seule chose qui est supérieure sur Twitch. C'est-à-dire que vraiment YouTube a juste besoin de comprendre comment faire un chat pour enterrer Twitch sur 60 aspects différents en fait. C'est tout. Il ne reste à Twitch que le chat comme avantage. Et le fait d'avoir la population dessus, parce que les gens vont pas sur YouTube pour regarder des lives, mais... Mais quand YouTube sera foutu de faire un vrai chat, les raisons pour que la population soit sur Twitch tomberont à zéro, genre. Quand je demanderai le Twitch partner, je leur enverrai ce clip pour les convaincre de me prendre. Parce que j'ai jamais eu le Twitch partner, figurez-vous. Je fais suffisamment de stats, je fais suffisamment de viewers, mais je suis un tel branleur que j'ai jamais fait suffisamment d'heures de live pour pouvoir prétendre au Twitch partner. Je sais pas ce que je fais ici, mais... Oh. Ah ouais, non, mais oh. Oh. Twitch est là depuis trop longtemps, tout le monde a l'habitude de venir ici. Alors, mec, si c'était vrai, vraiment, on continuerait tous à regarder nos vidéos sur Dailymotion. Je veux dire, les habitudes peuvent changer. Est-ce que ce serait intéressant pour les streamers Twitch de faire la compète avec les youtubeurs qui sont souvent beaucoup plus gros en nombre? En vrai, moi je me dis qu'ils n'ont pas besoin d'être en compétition avec les youtubeurs, ils ont juste besoin de séparer le site en deux parties bien distinctes. Quand tu veux voir des vidéos, tu vas sur YouTube, quand tu veux voir des streams, tu vas sur YouTube Live, et quand tu arrives sur YouTube Live, t'as une page d'accueil avec que des streams comme sur Twitch. Et si t'es un gros streamer, t'es pas en compète avec MrBeast et Squeezie, t'es juste parmi des streamers. Ok, faut jamais jump au-dessus du vide. Y a pas de moment où c'est pas une terrible erreur de jump au-dessus du vide. Alors, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas où on est, je sais pas ce qu'on fait. Je m'étais perdu ici la dernière fois. J'ai jamais trouvé le... Je vais crever à nouveau, je suis désolé d'avance, je suis en train de faire n'importe quoi, je raconte ma vie au lieu de jouer sérieusement. Comme ils font avec les shorts, bah oui, bah les shorts ils ont... Le problème de YouTube, c'est qu'à chaque fois qu'ils acceptent un nouveau format, ils essayent de tout plaquer ensemble. Quand ils ont commencé à doser les shorts pour pas se faire bouffer par TikTok, ils ont voulu imposer aux chaînes de mettre les shorts avec les vidéos, et ils ont voulu proposer des shorts à des gens qui venaient pour voir des vidéos, et ça s'est très mal passé. Maintenant, ils ont compris que vraiment, les shorts, c'est un feed à part, il a sa propre section, sa propre catégorie, si quelqu'un vient regarder des shorts, on lui propose des shorts et pas des vidéos, et puis voilà, genre basta. Ils ont compris... avec les shorts, qu'il faut sectionner leur site, genre. Parce que vraiment, différentes personnes viennent voir différentes choses. Ils ont juste besoin de capter ça aussi pour les... Ils ont vraiment juste besoin de capter ça aussi pour les lives, hein. J'ai pas récup le chat, Koda. Je sais même pas si c'est possible, je pense que c'est pas possible. Le truc qui m'étonne, c'est que... Je trouve personne qui a ce problème. J'ai passé la matinée à faire des recherches, je trouve personne qui a le même problème que moi. Je pense que la plupart du temps, les gens s'en foutent. Ça doit être très très rare. Le cas où t'essayes de récupérer un chat en particulier parce que t'en as besoin pour une vidéo doit être très rare. Et alors le cas encore plus rare où t'as perdu le chat qui t'intéresse doit être vraiment rarissime. Je pense que régulièrement, genre... Regarde, j'ai fait 8... Mon let's play Outer Wilds, il est en 8 parties. Il y en a une sur les 8 où le chat a sauté. On part du principe que c'est un bug qui tape à peu près une fois sur 8. Les cas où t'as besoin de récupérer un chat et où c'est la fois sur 8 où tu l'as pas, elles sont super rares en fait, la plupart des temps. Une fois sur 8, je pense que les streamers ils perdent leur chat et ils s'en disent, ils se disent je m'en bats les reins en fait, c'est juste une VOD parmi d'autres. Du coup, rip. Du coup, ouais. Du coup, hop là. I.
J'essaie de récupérer le chat avec un logiciel, mais je sais pas trop si ça va marcher. J'ai essayé ce matin avec Twitch Recover. En fait, Twitch Recover a pas... J'avais mal lu la description. Il y a quelqu'un qui a fait la même erreur que moi sur Twitter, d'ailleurs. Il m'a prévenu qu'il s'était trompé, mais je m'étais trompé exactement de la même façon. Je pensais qu'on pouvait récupérer les chats avec Twitch Recover, et en fait, c'est dans une prochaine version qui sortira peut-être jamais, parce que c'est un mec qui fait ça sur son temps libre. Je sais pas. Quand tu... Vraiment, le chat a disparu. Mais le chat a disparu sans aucune raison. C'est-à-dire, tu lances la VOD, il n'y a pas de chat. Pour aucune raison. T'essayes de faire un clip. Il n'y a pas de chat. Comme s'il n'y avait jamais eu de chat sur cette vidéo. C'est super bizarre. Ça c'est horrible, ça. Faut arrêter. J'ai enfin récupéré ma manette, ouais. Mets une chatbox sur l'écran au pire pour la prochaine fois. Bah, en vrai, ouais, hein. Mais en vrai... Est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pas juste la bonne strat, genre? C'est... Ça me pousse en arrière, j'avais oublié cette... Je joue trop mal. Je suis désolé, je joue trop mal. Combien de temps au total t'as pris la dernière vidéo? Celle sur le cinéma? Alors, celle sur le cinéma, c'est un cas un petit peu à part, parce que j'avais commencé quand j'avais fini Shadow of the Colossus, donc... vraiment beaucoup de temps. Celle sur le cinéma, elle m'a pris un temps stupide. Mais c'est un cas à part. Quand j'ai fini la vidéo sur Shadow of the Colossus en 2020, ça devait être, je sais pas, vers le moment du premier confinement. J'étais en train de regarder les cinématiques de The Witcher 3 et je me disais, elles sont vraiment beaucoup trop travaillées pour des cinématiques de jeux vidéo. C'est de là que c'était parti à la base. Au début, cette vidéo, ça devait être juste... regardez, on regarde ensemble les cinématiques de The Witcher 3, regardez comme elles sont bien faites. Puis après, je me suis dit, pourquoi faire que The Witcher? Il y a plein d'autres exemples intéressants dans plein de jeux. Et puis après, je me suis dit, c'est boring de juste sortir des cinématiques les unes après les autres. Pourquoi on parlerait pas de la mise en scène, puis de la caméra, blablabla, et je me suis complètement fait avoir, et j'ai mis beaucoup trop de choses. En fait, j'ai laissé la vidéo devenir 60 fois trop grosse. À la base, la partie sur The Witcher 3, genre les 10 minutes sur The Witcher 3, ça devait être l'intégralité du truc sur le cinéma, et à la fin, c'est deux vidéos qui ensemble font genre 1h15. Et vraiment... Et le problème que j'ai eu quand j'ai commencé à faire ça, d'abord j'ai laissé le sujet devenir 50 fois trop gros et après je me suis rendu compte que j'y connaissais rien en cinéma. C'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans, j'avais une culture jeux vidéo mais j'avais pas vraiment une culture cinéma. Et donc, no joke, ces deux dernières années, j'ai genre maté un max de films et acheté des bouquins et regardé des vidéos de gens qui s'y connaissent et essayé de choper. Je suis pas devenu un monstre en cinéma mais j'ai essayé de choper suffisamment de culture pour que la vidéo soit pas ridicule. Et en fait c'est surtout ça qui m'a pris un temps fou. Je sais pas pourquoi je me suis lancé dans la vidéo alors qu'à la base j'y bitais rien en cinéma. C'était une terrible erreur. C'est généralement mieux de faire des vidéos sur les trucs sur lesquels tu t'y connais. Mais si tu veux pas lâcher l'affaire, ta seule strat, c'est de devenir calé. Et en fait ça prend des années genre. Et donc ouais, c'était vraiment bête. Hein. Hop là. Et mon ombre ici? Non mais c'est... Qu'est-ce que je suis censé faire là? Elle m'empêche d'avancer. Ah elle arrive. Ah c'est... Pas pouvoir taper et jump en même temps, ça me perturbe. Perturbe fortement. Ok. Ah oui non c'est vrai c'est bloqué ici. Ah mais c'est bloqué. Mais où est-ce qu'on va du coup? T'as quel âge? J'ai 27 ans mec. Le journal a été mis à jour. Alors se réhabituer à la manette. Là en vrai c'est même pas le problème de la manette, c'est j'ai du mal à m'habituer au fait que quand tu te fasses knockback. Au fait que tu te fasses knockback quand tu tapes des ennemis. C'est tellement pas commun. Merci pour le sub. TheyMFZB. TheyMFZB. Plus moins prononçable la prochaine fois les pseudos si vous. Là c'est trop facile. Ça, je sais pas comment. Est-ce que je suis censé taper dedans? Je sais pas vraiment comment me protéger. Faut que je remonte en vrai. Un design est fou. Là, je suis en train de troll. Je vais retourner dans la pièce où. En vrai, je pense qu'il faut juste que je retourne vers chemin. Je suis probablement pas prêt à faire le canyon brumeux, je sais pas quoi. Probablement qu'il faut que je trouve comment... Voilà. Probablement que la salvation... Comment je me...
Mais je peux pas me repartir en fait. Ah si, si, c'est vrai. C'est quoi, c'est compliqué. Probablement que la suite de la route se cache quelque part ailleurs dans Vers-chemin, mais faut vraiment repartir, genre. Parce que là, là, il n'y a pas d'autre route. Voilà, et je venais de là à la base. Et je venais de là. Je l'ai eu. Techniquement, je l'ai eu. Est-ce qu'il va respawn si je reviens? Oui, quel enfer. En vrai, les déplacements sont plus précis au clavier. Hein. C'est mieux de... On est tous d'accord que c'est généralement plus pratique à la manette. Mais il y a quelque chose de très 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 précis dans les déplacements à la flèche directionnelle. Là. Mais c'est pas grave. Tu t'arrêtes moins exactement où tu veux être. Et tu changes moins de direction exactement à la frame où tu veux avec un joystick. Mais ça, c'était... En vrai, ça se... C'était sûr d'avance. Tu perds un petit peu de précision dans les déplacements, mais tu gagnes en vrai du confort de fou. Tu gagnes que tous tes boutons sont au même endroit, genre. À cause de ta vidéo, je viens de commencer à jouer à... Ah mince, il y a un truc sous le sol. Je viens de commencer à jouer à God of War. Mec, t'as bien raison. Mec, God of War 3, tard à l'époque. Vous... Alors, j'ai pas joué au God of War récent, mais de ce que j'en ai vu dans le gameplay, ils sont moins... Ils ont abandonné la caméra à la troisième personne très éloignée qu'ils avaient dans le 3 et qui leur permettait de faire énormément de trucs. Maintenant, c'est une caméra très proche, quasiment par-dessus l'épaule. Elle est très jolie. Genre, elle rend bien, mais elle permet de faire des trucs beaucoup moins variés, non? De ce point de vue, c'est un petit peu dommage. Ah, ou qu'est-ce quoi? Vraiment, il y a vraiment sans arrêt des trucs qui veulent ta peau dans ce jeu. Vraiment, vraiment, à chaque fois que je regarde le chat, je perds un point de vie. Comment est-ce que je me bats contre cette chose? Oh! Oh, c'était un petit! C'était un petit dans une feuille! Hop! Oh non! Non, il est adorable. Non, il est adorable. Comment je... Reviens. Ok, je vais, dans le pire des cas, je vais le goumer au Kamehameha. Hein. Oh, pas besoin. Pas besoin, messieurs, dames. Allons-y. Toujours notre faute, c'est clairement votre faute. C'est très clairement votre faute, en fait. Ça, c'est... Ça, je sais pas si je le méritais. C'est quoi le but du jeu? Explorer, goumer des insectes, trouver des trésors, comprendre ce qui est arrivé à la vieille civilisation qu'il y avait là avant. Est-ce qu'il y a moyen de les tuer en moins de 20 minutes, ceux-là? Oui. Non, il est pas mort? Il est pas mort. Voilà. Aïe. J'ai bobo. Ah, encore elle. En haut ou pas en haut? Et, ok, quelqu'un sait en termes de boutons ce que je dois faire pour que ça m'affiche direct la carte de la zone et que j'ai pas à faire ça à chaque fois? Est-ce que j'ai fait assez Valhalla? Non mec, j'étais tellement... J'étais un gros fan d'Assassin's Creed pendant longtemps dans ma vie. Et... Maintien LB? Comment ça maintient LB? Double clic la map? Je comprends rien. Ah, ok. Maintien LB. Oui, non, 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 de fait, maintien LB, maintien LB. J'ai été un gros fan d'Assassin's Creed pendant quasiment toute ma vie, et puis genre... Odyssey m'a trop dégoûté, en fait. Vous avez vu ce qui vient de se passer, là? Odyssey m'a vraiment trop dégoûté, en fait. Jamais j'ai eu l'impression qu'on m'avait volé 150 heures de ma vie autant que quand j'ai fait Odyssey. C'est une dinguerie, genre. Et donc vraiment, du simple fait de savoir que Valhalla est à peu près sur le modèle Odyssey, j'ai juste pas envie de le faire. Et c'est la première fois de ma vie que je fais pas un Assassin's Creed. Ça, c'est dur. Il y a une sorte de truc où à chaque fois que je prends un dégât, je reviens au début ici, non?
rêve pas. Oh là, fallait le tuer vite, il était sur le point d'exploser. Quels sont les points négatifs pour toi de Odyssée? Le fait que ça sente... Le fait que ça sente beaucoup trop que tout dans ce jeu est pensé pour me faire rester sur le game le plus longtemps possible, peu importe les moyens en fait. Tout est pensé pour que tu fasses des allers-retours, tout est pensé pour que les combats soient le plus longs possible. Les quêtes, elles sont... Les quêtes, il y en a 12 500, mais il n'y en a aucune qui est vraiment bien écrite. Il n'y en a aucune qui est vraiment drôle ou qui est vraiment intrigante. Il y en a peut-être deux dont je me souviens du scénar, alors que je sais qu'il y en a 350. Les combats, tu te frites qu'avec des sacs à PV. Genre, la map, elle est immense, mais c'est pour que tu fasses des allers-retours et c'est pour que ça rentre bien dans les trailers. C'est... Le cahier des charges, quand ils faisaient Odyssée, c'était « ils doivent jouer 200 heures ». C'était pas « les énigmes doivent être bien », c'était pas « ils doivent découvrir des trucs de fou », c'était « ils doivent jouer 200 heures ». Et c'est le cas pour beaucoup de jeux, mais dans Odyssée, ça se sent beaucoup trop, genre. C'est sans aucune subtilité. Sans aucune subtilité. Vraiment, moi, ça m'a trop tilté, en fait. Faut avoir un minimum de respect pour le consommateur, genre. Bien sûr que tu vas ruser pour essayer de gagner un petit peu de durée de vie si tu fais un game. Mais genre, ça peut pas être l'unique chose que tu fais. Genre, Odyssée, ce n'est que ça. Non seulement ils doivent jouer 200 heures, c'était tout en haut du cahier des charges, mais c'était la seule phrase sur leur cahier des charges. Genre, vraiment, non. C'est tellement dommage, c'est un bel univers. Je me suis dit que ça pendant 150 heures, mec. Elle est si belle, la map. Les gens qui font les maps pour Odyssée, ils sont trop forts, hein. Ils sont vraiment trop forts. T'arrives dans les petits villages grecs en fin d'après-midi, il y a des petits PNJ qui se baladent, il y a des vignes, il y a une rivière qui passe. C'est trop beau, t'as envie de t'arrêter et de prendre 12 000 photos. Et après, tu réalises qu'il n'y a pas une quête intéressante dans tout le game, que c'est genre un immense bac à sable dans lequel il n'y a rien d'intéressant à faire et tu deviens aigri. C'est exactement, mais c'est la même chose pour Ghost Recon Breakpoint, probablement la même chose pour Valhalla. C'est la patte Ubisoft de ces dernières années. C'est genre, le bac à sable est fou, et tu deviens triste au fur et à mesure que tu découvres qu'ils ont rien mis de fun dedans, genre. C'est la patte Ubisoft, c'est trop triste en vrai. J'ai du mal à m'y faire à la map sur LB, mais ça va venir. Pas ce que je fais ici, mais j'y suis. Ok, cette zone... Toujours pas mort, toi ? Cette zone ressemble à la première. Il y a un truc qui se remarque de fou quand tu fais Odyssée et quand tu fais les open world Ubisoft de façon générale, c'est qu'ils font la map avant de faire le reste. Et ils touchent plus à la map après. La map, elle est... Genre par exemple, regardez, c'est genre... C'est cool d'avoir un jeu qui est joli, avec de la durée de vie et genre plein de trucs à faire, mais... Si d'un seul coup je veux mettre de la... substance dedans, si je veux écrire une quête vraiment intéressante qui va faire rire les gens ou pleurer les gens et genre ils vont s'en souvenir, je suis obligé d'avoir des endroits pour ma quête. Genre si j'écris une vieille grand-mère flippante qui fait... On se demande si c'est une sorcière ou pas, je suis obligé de lui faire une sorte de hutte perdue dans la forêt. Genre une hutte vraiment flippante au milieu d'une petite clairière où il n'y a pas de lumière, vous voyez ce que je veux dire? Ma sorcière, on y croira beaucoup moins si elle a pas cette hutte. Tu vois, l'environnement est trop important pour la narration. Si je suis en train de faire The Witcher 3, je peux envoyer un mail à l'équipe qui gère la map en leur disant « Yo, faites-moi une hutte giga glauque au milieu d'une clairière » et probablement qu'ils vont me dire oui. Si je fais une production Ubisoft, ils vont me dire « Espèce de débile, on a fini la map il y a 6 mois, c'est terminé en fait. » Et vous constaterez que si toutes les quêtes d'Odyssée sont chiantes, et s'il n'y a quasiment pas de PNJ mémorable dans Odyssée, c'est parce qu'on leur a filé la map et on leur a dit « Avec les bâtiments qui sont déjà là, fais des quêtes. » Et dans ce genre de cas, le seul truc que tu peux faire, c'est poser un PNJ au milieu de la place du village. Il est pas particulièrement mémorable, il est juste là, et il te dit « va tuer 3 sangliers parce que t'as vu qu'il y a une forêt à côté ». Mais si tu veux écrire n'importe quoi qui est un petit peu prenant, un petit peu unique, t'as besoin de modifier l'environnement et sur une prod Ubisoft tu peux pas en fait. Et donc vraiment la diff de Fou Furieux, c'est que dans un jeu comme The Witcher, ils font la map pour les quêtes, alors que dans une prod Ubisoft ils font les quêtes pour la map.
Pourquoi? Parce que Ubisoft, la map, c'est le truc, c'est le seul truc sur lequel ils mettent vraiment des efforts, en fait. C'est le truc qui rend bien dans les trailers, c'est le truc qui va leur donner des précommandes, c'est le truc qui en met plein les yeux aux gens. Ça, ils font la map, elle est absolument magnifique, mais quand c'est fait, bon, ils ont plus le temps, plus le budget, plus l'envie de faire quoi que ce soit d'autre, et donc ils y touchent plus. Ah, mais je peux taper les plantes! Je peux taper la plante! Je peux vraiment tuer la plante? Je peux tuer la plante, c'est fou. C'est dingue. J'ai fait deux fois Odyssée à 100%, c'était sûrement pas pour l'écriture. Mec, je sais pas où t'as trouvé la force mentale. Déjà, je m'en veux. Déjà, je m'en veux d'être allé à la fin du jeu de base. J'ai jamais fait le DLC avec Atlantide. J'ai jamais fait le DLC avec Atlantide. Et pourtant, apparemment, c'était ce qu'il y avait de mieux dans le jeu. Mais vraiment, quand j'ai fini le jeu de base, j'étais genre... Parce que je voulais pas lâcher l'affaire. Comme justement, j'avais été beaucoup fan d'Assassin's Creed, je voulais pas lâcher l'affaire. Dans chaque nouvelle zone de la map, j'arrivais, je voyais 50 quêtes annexes. Je me disais, il va bien y en avoir une qui est cool. Je les faisais toutes. À la fin, j'avais perdu 15 heures de ma vie. Et de région en région, je devenais de plus en plus salé, de plus en plus aigri. Et je suis arrivé à la fin du game. J'ai fait toutes les quêtes secondaires. J'ai fait franchement Ubisoft. Je suis une salope si je rachète un jeu à vous un jour. Et c'est pour ça que j'ai pas fait Valhalla. Odyssey, il m'a rendu malheureux. Hein. Je vais mourir. Hein. C'est sûr que... Ah non. Je pensais qu'il y aurait encore de la flotte en bas ou une bêtise comme ça. Oula, c'est quoi ça? Examinons. Une machine, blablabla. Faut que... C'est un péage en fait. Je paye et je peux passer? Ok. Oh, nice. Ça va me permettre de mettre la carte à jour. Origins, t'avais aimé en vrai? Alors en vrai, des récents Origins, ouais. Alors, Origins, il a ses problèmes aussi. Hein. Origins, ce qui est dommage avec Origins, c'est la vitesse à laquelle la qualité de l'histoire se fracasse la gueule à la fin. Au début, t'as lui qui part en quête de vengeance pour son fils, c'est genre un ordre de méchants qui prend l'Egypte, tout ça, et c'est vraiment... C'est pas le scénario du siècle, mais c'est vraiment assez intéressant pour te lancer dans l'Egypte. Et le dernier chapitre, frère, le dernier chapitre, ça se voit qu'ils avaient plus le temps. Le dernier chapitre, il est expédié comme rarement quelque chose a été expédié dans l'histoire du jeu vidéo. T'arrives sur le dernier chapitre, on te dit « Ah, au fait, le méchant, c'est lui. Voilà, il est mort. Merci d'avoir joué, à la prochaine. » Origins, en fait, Origins, je suis prêt à lui pardonner son scénario qui se fracasse la gueule à la fin pour une seule et bonne raison. La map est vraiment hors du commun. Et je réalise que c'est hypocrite. Je viens de passer 30 minutes à dire... La map d'Odyssée est magnifique, mais ça suffit pas. Et là, je dis, ça suffit pour Origins. Mais vraiment, la map d'Origins, mec, c'est un bijou. C'est une des plus belles maps jamais créées pour un jeu vidéo, genre. Il y a un truc qui est hors du commun dans la map d'Origins. Puis non, en vrai, c'est pas que la map. Déjà, la map d'Origins est fondamentalement hors du commun. Les déserts de différentes couleurs, quand t'as des illusions, genre, quand t'as des mirages au milieu du désert, monter sur les pyramides, les endroits où c'est la jungle, les villes, elles sont folles. Tu passes au lever du soleil, tu galopes à côté d'un lac et t'as genre tout un troupeau de flamants roses qui s'envolent en même temps que toi. Non, c'est... La map d'Origins est pas juste belle, elle est hors du commun. Hors du commun. Et en plus, scénaristiquement, c'est mieux. Les quêtes secondaires sont un peu mieux. Vous noterez qu'il y a un peu moins de quêtes secondaires que dans Odyssée et qu'elles sont un peu mieux écrites, donc c'est déjà ça. Le système de combat est bien mieux. Parce que le côté ultra RPG qu'il y avait dans Odyssey, où genre, si t'avais pas un build super opti, tu passais 50 ans à taper le moindre ennemi. Origins, c'est pas le jeu de l'année, mais Origins enterre Odyssey sur tous les points, et c'est le meilleur assez récent. Et en plus, il a un truc sur lequel il est pas un peu meilleur qu'Odyssey, mais 50 fois meilleur, c'est sa map. La map est folle. Et à choisir, c'est peut-être le plus bel open world dans lequel j'ai jamais mis les pieds, Origins. Ça se bagarre avec des trucs comme Skellige, les îles de Skellige dans The Witcher 3, mais c'est vraiment un des plus bels endroits où j'ai jamais mis les pieds. En tout cas en 3D. Tu penses quoi des deux horizons? Je les ai pas fait, mec. J'ai fait ni le premier ni Forbidden West. J'aimerais bien, mais j'ai pas eu le temps.
T'as pensé quoi de Red Dead 2? Alors mec, sache que je n'ai pas fait Red Dead 2. Sache que... ça c'est très très grave. Sache qu'on m'a offert Red Dead 2 il y a des années quand il est sorti. Je ne l'ai jamais lancé. Je l'ai depuis 5 ans dans ma bibliothèque Steam. Je ne l'ai jamais lancé genre. Alors que vraiment j'avais kiffé Red Dead 1. J'avais... Red Dead 1 c'est toute mon enfance hein. Je sais pas où je suis, c'est quoi ça? Oh, oh, j'aurais pas dû le taper. C'était un boss. Quelle erreur. Ah. Ok. Oh. Oh ouais, non mon frère. Là il va taper. Ok, il a une ouverture une fois qu'il a tapé en fait. Il frappe et il baisse son shield quand il frappe. Voilà, là. Ah ouais, non mais frère, il tape deux fois, je vais me faire casser la gueule. Au secours. Ah, il veut pas me laisser me heal. Oh, mais... il veut pas... Il a une attaque anti-heal, ce chien. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est quoi la strat? Oh, let's go. Oh, deux hits. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, si je me mets très très loin... Ah, j'ai plus de... Oh. Oh. Ok, il a du mal avec les attaques aériennes. On lâche rien. Si je me mets vraiment très très loin, son attaque anti-heal, elle touche pas. So. Il a dit so. Ok, il peut aussi la faire en range. Oh frère, il m'a touché de derrière lui. Il m'a touché de derrière lui. Il va taper deux fois. Ok, je commence à cramer quand il tape deux fois. Touché. Ah ah ah, touché. Je sais pas combien de vie il a. Ça manque, il va taper. Oh. Oh là là, le stress frère. Ok, excellent. Excellent, excellent, excellent. Prochaine. Aïe. Vous noterez que je suis pas encore mort dans un boss contre 15 fois dans la flotte. On sait quel est le pire ennemi du jeu. Bonjour, la barbichette. Comment ça va? Ton avis sur ce jeu? Il est extrêmement beau. Il est extrêmement beau. Le combat est un peu bizarre, mais je m'y fais. Faut voir le reste. Hein. C'était pas un boss. Ouais, c'était pas un boss. Il est gros, il a de la vie, il est dans une arène fermée. C'est quoi ta définition d'un boss, en fait? Où est-ce qu'on est? Ok, la grosse pièce intéressante est plutôt à gauche. C'est pour ça qu'on va à droite, parce qu'on aime bien se perdre en fait. Je sais pas si tu te rends compte que tu joues à un des meilleurs jeux du monde, mon gars. Alors, ok. Je vais faire plus d'efforts pour essayer de réaliser. Je vais, ouais. Waouh! Regardez-moi ces pierres là. Regardez-moi ces statues, regardez-moi la palette de couleurs. Vous réalisez qu'on va genre de gris foncé à gris un peu bleuté là? C'est pas une utilisation du gris qu'on voit partout. Hein. J'arrive pas à jumper. Mais. Ok, alors. Ok, il y a deux possibilités. Soit il y a un pouvoir de type dash, soit je suis un débile. Ça doit être un dash. Ça doit être un dash. Je reviendrai quand j'aurai un dash. Aucune carte pour cette zone, mais on est où? Ah, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout à vert chemin. Vert chemin, ça allait de vert foncé à vert clair. Ok. On s'est aventuré dans une zone où on n'est pas censé être. Pas grave. On reviendra. Vers chemin, c'était un chemin vert. Voilà, on a retrouvé vers chemin. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. C'est quoi la strat? C'est qu'est-ce qu'on fait en fait?
On va essayer, on va essayer, je sais ce qu'on fait. On essaye de trouver le boss de Verchemin. C'est ça qu'on fait. Et là, on est considéré comme dans Verchemin. Très très bien. À droite, il fallait dash. Essayons. Oh non! Lâche mon pote! Oh là, il crie! Il est... Waouh, il est énervé. Oh, oh là là. Ce dodge réflexe. J'arrive pas à le toucher. Kamehameha! Oh. J'ai Kamehameha dans le vide, je suis désolé. Je voulais pas. Ouais, j'attaque trop tôt. Faut que j'arrête. Voilà, ça c'est un mini-boss. Parce que tout à l'heure, c'était même pas un mini-boss? Je comprends plus rien. Arrête de me crier dessus! Ok, pas trop mal. C'est jamais fini, genre? Ok, nice. Nice. Qu'est-ce qu'il fait? Il va exploser? Il a explosé. Et mon pote, il est vraiment mâchouillé, genre, c'est fini? Oh la gueule qui... Oh la tronche qui fait. Akala, eh men. Que penses-tu être en train de faire exactement? Tu oses te dresser entre moi et ma pro... Mec, ta pro, elle était en train de te mâcher. Est-ce dans tes habitudes de causer des problèmes en déboulant de nulle part? Sache que je suis Zot le Redoutable, un chevalier de grande renommée. Si je te croise de nouveau, petit verre, tu découvriras pourquoi on appelle mon arme Porte-Mort. L'arme que le moustique vient de vomir. On est tous d'accord. Ok mon gars. C'est cool de te rencontrer. Les moustiques sont... Oh, rien dans ce jeu m'a coûté au total plus de vie que les petits moustiques. Hein. Tes hôtes. Oh, attendez, on est tout près de la pièce qui nous intéresse. Si je me laisse tomber en bas et que je vais à gauche... Oula. Oh. Quoi, il y en a plusieurs? Mais c'est les chevaliers qui... Quoi? Ah non, mais c'est... Non mais frère, il y en a deux. C'était pas du tout un boss, en fait. Qui m'a dit que c'était un boss? Vous êtes délus. Allons là. Review qui va choisir son camp entre la team Zot et la team anti-Zot. Bah écoute. Droshikalimo, ne t'approche pas, fantôme. Si je suis un fantôme, t'es quoi, un boomerang? J'ai vu te faufiler dans les broussailles pour me traquer, cet ancien royaume. Une chose horrible se réveille, je peux le sentir dans l'air. Je sais ce que tu es. Je sais ce que tu veux essayer de faire, je ne peux pas le permettre. Ah, je me bats contre elle? Hornet, c'est genre une guêpe. Edida! Elle a ramené ça! Elle a ramené son aiguille, c'était extrêmement fourbe. Oh, toi, t'as. Oh, elle est super rapide, elle va jamais me laisser me soigner. Zé! Chop! Chop! Elle fait des bruits incroyables. Chop! Oh, elle a pas la range! Chop! Oh, oh, oh. Les bruitages sont. Pourquoi j'ai sauté? J'étais même pas sur la trajectoire. Aïe, arrête! T'as pas la range, ma vie. Tu sais très bien que t'as pas la range. Chop! Oh bah alors. Zé. Chant. Les bruitages de ce jeu me pulvérisent. Oh, oh, c'était quoi ça? Et non. Chant. Zé. Attends, les bruitages. Ah ah ah. Et non, t'as pas la range. Zé! Oh, c'était quoi ça? Ouh, ça faisait peur. Elle a fait. Je savais qu'il fallait s'arracher parce que c'était un bruitage que j'avais jamais entendu encore. Zé! Oh non! Ok. J'aurais pu m'en douter. Je suis en train de grind. Mais arrête!
C'est la panique. Elle a pas la range, je le savais. J'ai pas envie de refaire tout le fight ma vieille, tu seras gentil de mourir maintenant. Edina. Oh oh oh. T'as pas la range. Elle avait la range. Elle avait la range. Mais... elle avait la range, mais j'avais le talent, en fait. À la prochaine. Elle est partie. Ok. Buvons un peu d'eau. Chant. Thé. Chant. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Alors, c'est parti. Donc, toi, tu t'es fait tuer par... par la go ou t'étais mort avant? Cap d'aile de papier. Oh, mais ce serait pas mon dash, ça? Appuie sur RT pour faire une ruée en avant. Oh. Ça, c'est du mouvement en l'air. Ça va être extrêmement important, en fait. Ok, appuyons sur RT. Vous. Hein? Qu'est-ce qui quoi? Voudra-t-il briser les sceaux? Ils ne peuvent être défaits. Ils doivent être défaits. Petite ombre, laisse-nous dormir. Retourne dans les ténèbres. Laisse-nous en paix. Alors. Je sais ce qui est arrivé au précédent, du coup. Non, c'est bon? Les dieux ont essayé de me dire un truc, mais ils étaient cryptiques. Vraiment, il se fait goumer par les anciens, mais vraiment... Non, mais... Oui, j'ai compris le... Ouais. J'ai compris. Il y a trois ancêtres, ils sont arrivés, ils m'ont mis une tape sur la tête, ils sont partis. C'est honteux. Alors ça, du coup, je suppose que c'était genre... Attendez. C'est genre... Eh oui, mais ça change absolument tout. C'est presque un double jump. Vous vous rendez compte des horizons que ça m'ouvre? Non, c'est dingue. C'est fou. Ok. Où est-ce qu'on va, en fait? Et pourquoi est-ce qu'on y va? Et quel est le but, en fait? Vous vous rendez compte des horizons que ça m'ouvre? Plomp! Marche dans l'eau, instant. Oh, petite musique. Petite lueur du soleil qui passe dans les frondaisons. Regardez comme c'est joli. Vous voyez comme c'est joli? Oula, il y a une sorte de gros truc derrière. Lac d'un. Lac d'une. Ou lac d'un. T'es un ennemi, toi? Non, tu. Je. Si on entrait dans la baraque. Salut! Comment ça va? Naminobis! Je le connais, lui! Je me souviens de ce Naminobis. Je l'ai croisé où? Où est-ce que j'ai croisé Naminobis? Au tout début, à côté de l'œuf. Bonjour, il semblerait que nous soyons tous les deux éloignés du... J'ai shooté dans la caméra, merde. Éloignés du sentier. Je peine à croire que ces vieilles routes poussiéreuses menaient à un endroit si luxuriant et si animé. Oh oh oh, cet édifice laisse penser qu'une sorte de culte prenait place ici. Bien que toutes les idoles semblent avoir été oubliées depuis longtemps. C'est pas plus mal de pouvoir profiter d'un moment de répit. Mec, je suis complètement d'accord avec toi. Posons-nous sur le banc, en fait. Hop là, comme ça on fait la map. Ok. Lac d'une. Ah mais c'est la fin, le lac d'une, en fait. Y'a rien derrière? Peut-être à un moment je peux prendre un bateau. Naminobis. Non, t'as pas dit Naminobis. J'ai vu quelqu'un d'étrange là-bas, il avait l'air très intéressé par le lac. Il avait l'air très intéressé par le fait de me baiser ma mère, frérot. Je pensais aller le saluer, mais je préfère d'abord affûter mon aiguillon au cas où ça prendrait une mauvaise tournure, tu as bien raison. Dis Naminobis.
Pareil que sur les terres d'en haut, ça pourrait vous mener très loin. Hein? Il veut plus le dire, je suis abattu. Ok. J'ai un compte à régler avec toi, frère. Oh! Oh hi ho! Oh! En fait, faut juste le bait. Ouais, bon. Faut juste le bait, mais pas trop se barrer, genre. Oh! Mais arrête de me dodge. Ça, c'est pas un boss. C'est vachement relou pour un truc qui n'est pas un boss, en fait, hein. Il y a un endroit... Vous vous rendez compte qu'il y a un endroit où ils sont deux dans un endroit étriqué, genre? Ok, il y a probablement... En vrai, probablement qu'à un moment, je peux nager dans la flotte, quand même, genre. Il y a quoi sous l'eau? Sous l'eau, il y a plus d'eau, en fait. Repartons de là où on vient. Ils auraient pas... De toute façon, ils auraient pas créé tout ce couloir qui va au lac Dune s'il n'y avait pas profondément un intérêt au lac Dune, en fait. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc à un moment, on peut voyager sur le haut. Je sais pas si ce sera un bateau ou la possibilité de nager, mais... Comprenez ce que je veux dire. Du coup, je suppose que Hornet, c'était le boss de Verchemin. Oh, source chaude. Quel dingue. Ce que je voulais. Mauvais bouton. Source chaude. Ah non. Oh, c'est une... Je suis bête, c'est pas du tout... c'est pas du tout le logo des sources chaudes, c'est le logo des coléoptères. Mais ça me va aussi, hein. Par contre, j'ai que 500. Bon, maintenant on arrive au moment le moins fun des jeux à la Metroidvania. Enfin, des Metroidvania, du coup. C'est le moment où on regarde la carte et on se dit, maintenant que j'ai un dash, quels sont les endroits que je peux faire maintenant et où je suis déjà passé, genre. Yes. Yes. Ok, on a débloqué les coléoptères. On peut pas marquer la carte. On peut à condition d'acheter des trucs pour marquer la carte. Que je n'ai pas fait. Voilà. Malheureusement, pas fait, en fait. Malheureusement, voilà. Du coup, là, je sais pas où on va, genre... C'est pour ça que c'est bien les marqueurs. Bah c'est pour ça que c'est bien les marqueurs. Le truc c'est que, supposons qu'à chaque fois que je tombe sur un endroit où je peux pas avancer, je mets un marqueur. Comment je sais c'est de quel pouvoir que j'ai besoin exactement après J'en ai marre de tes bangers, mec. Rien que pour toi, la prochaine vidéo sera éclatée. Ça me fait plaisir. De toute façon, avec Twitch qui délète mon chat et qui m'empêche de récupérer des images, voilà. Ah, j'étais jamais allé ici. Salut. Je suis vraiment... vraiment, je suis aigri comme jamais, putain, pour cette histoire de chat qui a disparu. C'est une dinguerie. Ok. Où sommes-nous? Je suis jamais descendu aussi. Oh, je suis jamais descendu aussi. Bah, attendez. Une plante. Je l'ai vu trop tard, misère. T'avais besoin de ton chat? Pourquoi? J'avais besoin de mon chat pour pouvoir prendre de cooles images du Let's Play sur Outer Wilds et il a été délaissé par Twitch pour personne. C'est pourquoi. Je pense que même Twitch, ils savent pas pourquoi. Je pense que leur code bizarre, ils délaissent le chat des VOD des fois. Et genre, voilà.
C'est dommage. Est-ce que ce serait pas un genre d'endroit où on a besoin d'utiliser la ruée? Y'a quoi par là? Aïe. Perdu comme jamais. Tu devais pas mettre ta cam en haut à gauche? Non mon gars hein. Je crois qu'on n'est jamais trop tombé d'accord sur ça hein. Ah mais attendez, depuis tout à l'heure je galère à lire le chat, mais je sais pourquoi, j'ai pas mes lunettes, elles sont bah, elles sont là. Elles sont autour de mon cou depuis tout à l'heure, attendez. Eh hey. Hey. Eh. Très bien. Alors, yes. Désolé, fallait que j'attende le... Il y a eu 10 secondes de blanc, fallait que j'attende le retour du décalage sur Twitch pour voir à quoi ça ressemblait en termes de cadre. Oh, ça c'est un truc pour se déplacer encore. Ok. Même pas en fait, parce que je peux juste faire hop. Et maintenant? Comment j'attire? Comment je convainc cette bestiole d'avancer, genre? Je la tue juste? Que j'ai pas compris. Non, je... Attendez, peut-être que c'est... Faut que je la... Peut-être que si je la tape dans cette direction... Hein? Mais non. C'est nul. Ok, bon, pas par là. Ok. Pas par là. Là, typiquement, ce serait le bon endroit pour mettre un marqueur. Mais les marqueurs servent à quelque chose que si je peux... Les marqueurs servent à quelque chose que si je peux marquer des trucs dessus, vous voyez? Genre, là, il faudrait que je puisse écrire gros insectes et vide. Parce que je vais jamais me sou... Je vais voir sur la carte que je suis jamais venu ici, mais je vais jamais me souvenir pourquoi j'ai pas avancé. Bon. Essayons un autre endroit. Genre, en haut à droite. Oui. Très bien, il est très bon. Allons-y. Ça va grave vite de spammer les... Waouh. Oh mais je vais... Pff, mais nul ne peut m'arrêter en fait. Je vais trop vite. Le jeu te donne toutes les infos. Ouais, il a mis des pics et j'ai eu l'info que je pouvais pas y aller. C'est réel. Non, n'explose pas. Sale bête. Sale bestiole. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Dommage. Ce n'est pas... Ok, ce n'est vraiment pas attaquable. Essayons de faire le parcours. Maintenant qu'on a la ruée. Donc ça, j'en touche un seul, je reviens en arrière, on est d'accord. Oh là là. Une question de timing. Ah. Oui. Let's go. Hop là. Épine d'agonie. Ça c'est un... Ah, je peux les changer que quand je suis au banc. Non. Ressent la douleur de son porteur. Riposte. Ok. Je le prends, hein. Comment je le... Faut être au... Ouais, faut être au banc, ok. Très clairement être au banc. Ok, bah on a un truc qui renvoie des dégâts, en vrai ça peut... Ça peut être pas mal du tout, hein. Ça peut être pas mal du tout, hein. Alors, donc... Aïe, et maintenant faudra se souvenir que j'ai checké en bas à droite, yes. Et... Il s'est mangé le mur, il s'est tué tout seul. Idiot, imbécile, bête, pas malin. Aïe. J'ai mal. J'ai un point de vie en fait. En plus, un seul emplacement. Ouais. Quelqu'un dans le chat fait remarquer qu'il a un truc qui renvoie les dégâts. Il est qu'à un emplacement, c'est incroyable. Il est en train de me faire malmener par la vie là. Non, meurs. Oh, j'ai eu si peur.
Oh, j'étais pas prêt à crever contre un moustique à la con. Salut Apog, ça va plutôt bien, ouais, et toi? C'est une belle après-midi. Ok, tentons par là. Et essayons de comprendre pourquoi j'avais pas avancé. Les moustiques, j'y arrive pas, ils sont trop imprévisibles pour moi. Pff, Orto, par contre, je t'avais pas vu venir. Ok, pourquoi je m'étais arrêté quand je suis venu ici? Ah, mais je suis revenu. Ah ouais, il y avait juste une route, en fait. Ok, parfait, il y a un banc ici, ça veut dire. S'il y a un banc ici, je vais pouvoir upgrade ma carte. Oh mince, je peux pas monter. Si, par là. Donnez-moi le banc. Il est là. C'est fou, ça. Très bien, donc il y avait juste un passage là. Ok, tac, tac, tac. Ça, donc ce qu'on voit, le truc à droite un peu bizarre. Le truc en bas, c'est les épines. Ça, c'est le lac d'une. Ça, c'est les grosses épines avec le gros insecte tout en bas à gauche que je pouvais pas faire. Donc on essaye tout en haut à droite. Je suis revenu au tout début du level, c'est fou. Soit, en fait, soit on essaye tout en haut à droite, soit on descend dans le gros carré qui fait la liaison avec Brume Canyon et on essaye d'aller à gauche. Ou juste on se barre dans Brume Canyon. C'est l'un ou l'autre. J'ai des gants, oui j'ai des gants mon gars. C'est très important pour pas s'abîmer les mains sur les manettes de Xbox. C'est des mitaines. T'as des gants, sois normal. Sois normal, j'ai froid, va te faire foutre. Ah j'ai... Zagazagazé. Hop là. Ok. Allons. Oh, alors là, c'est la première fois du game que je tombe dans le vide et il n'y a pas des pics ou de l'eau pour m'attendre en bas. Non. Je suis très heureux. C'est fou, c'est fou. Non, ouais, plutôt par là. Par là. Limite, j'aurais pu les kamehameha ceux-là, ça serait allé vachement vite. Salut Mandelbot. Mandelbot FR. Oula. Tombons pas trop loin. Ça fait pas de dégâts aux gens si je les... Si je ruade dans eux. Non, ça fait des dégâts à moi en fait. Ok. Très clairement des dégâts à moi. C'est quoi le but du jeu? T'as pas équipé le charme, c'est vrai! Je suis un idiot. Oh, encore le chevalier, non. Non, pitié. Non, ça c'est très relou ça. J'ai juste le... Ouais, salut hein. C'était vachement cool mon gars, mais... Ok. Normalement on est enfin arrivé à la route qui nous intéresse. Ça fait quoi de se faire valider par Feldup le Goat? Bah ça fait plaisir mon gars, mais le truc c'est que j'ai pas pu lui retourner son beau compliment parce que j'ai jamais vu ses vidéos. Mais je veux dire comment on dit? Mais je veux dire, peu importe que j'ai vu ses vidéos ou pas, je le connais de réputation et c'est vrai que ça fait vachement plaisir d'être connu par quelqu'un qui est aussi respecté. Elles sont trop longues, exactement, comme pour Alt. Je consomme très très peu de contenu sur internet. Je consomme vraiment très peu de contenu, je regarde très peu de youtubeurs, je regarde aucun streamer, il n'y a aucun streamer à qui je suis abonné. Ok, je suis enfin... Du coup, la plupart du temps, quand quelqu'un me félicite ou quand on me demande « Est-ce que tu regardes ce que fait cette personne ?», la réponse est quasiment toujours non. Oh, je suis vraiment tombé. Oh, c'est trop, je dois refaire tout le tour. Je suis un débile. Le truc marrant avec Feldup, c'est que depuis que je le suis sur Twitter,
je vois des trucs qu'il a l'air de se poser les mêmes questions que moi, genre. Et il se prend la tête de la même façon que moi. Quand je le vois tweeter des trucs genre « Oh là là, je suis pas sûr de la fin de la vidéo, du coup on se revoit la semaine prochaine », je me dis qu'on a les mêmes problèmes. Ah mais attendez, mais je suis déjà venu ici. Ah mais c'est l'endroit qui est... C'est une nouvelle zone. C'est l'endroit qui est gris. Et de gris bleuté à gris foncé, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que je peux me balader ici maintenant que j'ai la... J'avais complètement oublié cet endroit. Mais oui, voilà. Et du coup le dash, j'avais complètement oublié, bien sûr. C'est pour ici que j'avais besoin du dash. C'est parfait. Dash. Bon voilà. Ça c'est de nouveaux horizons qui s'ouvrent en fait. On va voir le... Oh! Ah! Ok. Je... Yes. Super. Il faut que j'en flingue un, en fait. Faut pas que je tire dans... Arrêtez! Il m'a fait rebondir sur les trucs, genre 7... Ah bah attendez, c'est le bon moment pour... J'ai rien, j'ai vraiment rien pu faire, je me suis fait démolir. C'est le bon moment pour équiper ça, voilà, nice. Tellement loin. Oh, je suis tellement loin, c'est pas grave, on y retourne. C'est pas grave, on y retourne. Le temps de... Le temps d'invulnérabilité, il est vraiment, il est pas... Je sais qu'il y a un charme qui le prolonge à 1 seconde 5 et que du coup ils l'ont... Ils l'ont baissé pour que le charme ait un intérêt, mais en vrai, du coup... Du coup, t'as trop souvent ce moment où tu te fais push par un dégât, into direct un autre dégât, et ça paraît pas très juste, mais en vrai, bon, c'est la life, hein. On y retourne. Laissez-moi passer, en fait. J'ai plus le temps, messieurs, dames. Le jeu est beau, le jeu est très très beau. Le jeu est vraiment très très beau, il y a un... On en parlait déjà hier avec les Odin Sphere, les Muramasa, les Ori, mais il y a vraiment un plaisir... Il y a un plaisir de fou furieux dans les jeux qui sont dans une magnifique 2D. C'est la même fascination que quand tu tombes sur des illustrations... des illustrations magnifiques et pleines de détails, sauf qu'en plus, là elles se mettent à bouger, genre tu peux te balader dedans, donc c'est juste féerique. C'est une sensation qui est encore très différente de se balader dans un beau monde en 3D. Pas du tout la... Mais... Quoi ? Faut que j'arrête de raconter ma vie, hein. Céleste aussi. Céleste ? Alors, Céleste, c'était adorable. Je sais pas si je le considérerais comme magnifique. Ah, et du coup, j'ai perdu ma thune. Rip. Ah, mais je raconte trop ma vie aussi. Je suis dans un jeu où tout vaut ma peau. Je raconte ma vie. J'ai l'impression de streamer Dark Souls à nouveau. C'était exactement la même. J'étais là en train de parler de je sais plus quoi. Oh oui, vraiment. Oh, le dernier jeu qui est sorti, très très bien. Et clac, il y avait un truc qui surgissait d'un couloir. Qui me cassait la gueule. Et je perdais mes âmes. Exactement de la même façon que je perds ma thune. J'aime beaucoup trop le son de ma propre voix pour jouer à des jeux comme ça en stream. Non, c'est toujours à gauche ici. Donc ouais, c'est... Se balader dans un magnifique jeu open world 3D, c'est incroyable. Ça donne une sensation de voyage. Genre dans Origins, par exemple. Origins ou The Witcher. Mais se balader dans un magnifique jeu 2D, c'est vraiment féerique. C'est comme voir bouger une magnifique vieille image que t'aurais trouvée dans une vieille bibliothèque ou genre chez ta grand-mère. C'est magique. C'est legit magique, genre. Il y a moins l'impression de voyage que dans un jeu 3D, mais il y a beaucoup plus la magie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je... Ouais. Donc, c'est ici que je viens pour récupérer exactement 0 de thunes. Ah. Super mon gars, à la prochaine. J'ai récupéré 47. Les moustiques, je vous jure, les moustiques, j'y arrive pas. Et en fait, je sais pourquoi j'y arrive pas avec les moustiques. C'est parce que mon personnage peut pas taper en diagonale. Donc vous voyez, c'est toujours gauche, droite, haut ou bas. Et contre un truc qui s'amuse à volter partout dans l'espace et qui est rarement parfaitement au-dessus ou parfaitement à droite,
Je sais pas quand je peux le taper, genre. Pareil qu'il va encore mourir parce qu'il s'est pas soigné. Alors. Ah bah j'ai tiré un Kamehameha du coup. Dommage, je serais full life sans le Kamehameha. Hop là. Oula. Est-ce que c'était par là? Par là, hein. J'avais besoin d'un dash. Tac, 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 tac. Magistral. Ok, est-ce qu'on est prêt? On est prêt. On va taper celui de gauche. J'ai plus de... J'ai déjà plus d'âme. Non mais là, là! Je me suis fait hit deux fois. Oh! C'est vraiment dur. C'est vraiment dur, faut regarder partout. Faut regarder partout, c'est un enfer. Y a pas un banc un peu plus proche? Y a un banc un peu plus proche. Je ferais peut-être bien d'aller prendre le banc un peu plus proche. En vrai non, en vrai il se fait, mais genre... En vrai il se fait, il est pas très dur, mais comme la salle est super encombrée, vraiment quand tu prends... Une fois sur deux, quand tu prends un dégât, en fait, tu prends deux dégâts, genre. Et ça, ça change vraiment la donne de fou, genre. Comme elle roule, comme les petites bestioles qui me lancent, elles roulent, j'essaye de leur taper dessus en tapant vers le bas, et donc ça me propulse vers le haut à cause de la mécanique de Pogo Stick, et je me prends les projectiles orange. Ça met vraiment mal. C'est le premier boss que j'arrive pas à passer du premier coup. Ah, la plante. Je l'ai vu, mais trop tard, j'avais déjà commencé à sortir la carte, c'est pas très grave. Ah, je suis obligé de monter ici. Allons-y prudemment, histoire de pas recrever pour rien. Ah, ils peuvent descendre, ok. On va y arriver. Il faut peut-être... Je sais plus ce qui se passe si je les tape frontalement et pas d'au-dessus, est-ce que ça les arrête? Parce que si ça marche, si ça les arrête, j'ai pas besoin de sauter en fait. Elle est fourbe de fou cette pièce, hein, parce que contre des ennemis qui roulent, t'es censé rester sur place, les attendre et sauter, mais tu peux pas rester sur place contre des gens qui lancent des projectiles, t'es censé courir partout. Du coup, vraiment, les deux fois où j'ai essayé de faire la room, peu importe ce que je tentais de faire, c'était une mauvaise idée. Alors, on y est presque. Ta 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 ta. Tu te colles? Ah attends, je peux pas lire ce message, il faut que j'y arrive par moi-même, mon gars, si tu me donnes l'astuce, on rigole plus en fait. J'ai tombé, vous avez tous vu que j'ai tombé bêtement, je refais un tour de la salle, j'arrive. Ok, on est plus très loin. Là, faut aller en bas, à droite... Let's go. Oh bah. Oh regardez, on voit les tatous. Tatou. Il se cache les yeux, il fait où? Oh, il fait je suis pas là. Il fait je suis pas là et je peux ouvrir un raccourci à sa gauche une fois que... Ah bah, t'es là toi? Bon. Pas de panique. Mais on panique un peu quand même. Oh ouais, non mais... Ça c'était deux... Non mais... Ah! Je mérite un temps d'invulnérabilité de descente en vrai. En vrai de vrai... Je trouve que je... Ouais. Voilà, Edin. Oh non, j'avais pas vu qu'il avait spawn un truc. Ok, je pète ça.
C'est déjà ça. Bah, et de 1 en fait. Ah mince, il était en armure. Quelle erreur. Oh là là. C'est terrible ce qui se passe. Terrible ce qui se passe, mec. On va dans un autre. Pas trop là. Un point de vie, pas d'âme. On va peut-être se heal. Oh insupportable. Elle est insupportable. Ce mob est insupportable. Cette room est insupportable. Le jeu est insupportable. J'en ai marre. Casse les couilles, frère. C'est trop, frère. La petite merde, là. La Sonic, là. Extrêmement malheureux. Il y a la même mécanique que... C'est marrant en vrai de... Tant que tu vas pas récupérer tes âmes, t'as deux fois moins d'âmes. Parce que c'est trop important l'âme, ça c'est pas juste les bonnes attaques, c'est surtout se soigner. Donc ils ont exactement la même philosophie que Dark Souls 2 qui t'enlève la moitié de ta vie à chaque fois que tu crèves, genre. Et ça me termine de rire ces jeux. Je sais pas c'est quoi la philosophie derrière, c'est quoi ces jeux qui se disent « Ah, tu perds ? Bah ça va être encore plus dur !» Tiens, ça t'apprendra à perdre, sale merde. Le jeu est graphiquement innovant, je sais pas comment l'expliquer, j'invoque The Great Review pour expliquer. Mec, laisse-moi faire. Laisse-moi faire, c'est mon job. C'est très joli. De rien. C'est quoi ton Zelda 3D préféré? Il y a une seule réponse à cette question et tu sais très bien laquelle c'est, mon gars. En vrai, déjà raisonnablement, le choix ne peut se faire... Ah, bon, après, j'ai pas fait Breath of the Wild. Je suis beaucoup trop radin pour acheter une Switch. Est-ce qu'on le compte dedans? Si on compte pas Breath of the Wild et qu'on compte que les Zelda old school, le choix sérieux ne peut se faire qu'entre Wind Waker et Twilight Princess. Ok, on y retourne, yes. Sale bit. Ça part vachement vite ces bestioles. Hein. En vrai. Déjà à deux points de vie. Hein. Je sais pas pourquoi c'est mon Némésis à ce point-là, cette bestiole, mais... C'est difficile. Let's go! C'est fou. Du premier coup. Oh bah il y en a 28. Mais ils sont mourus. Pourquoi ils sont mourus? J'ai fait tout ça pour un bonus. C'est pas la suite du game. Je suis abattu. Quoi? C'est pas la suite du game. Ça a intérêt à être le meilleur pouvoir du game. Ah, octroie une carapace renforcée lors de la canalisation de l'âme. Ah, ok. Non, en vrai...
Ok, non, en vrai de vrai. Vous savez quoi, tout à l'heure, ça m'aurait sauvé, hein. Le bonus, il est même pas bien. Et tout à l'heure, quand la petite merde est venue me rouler dessus alors que j'étais en train de me soigner, ça m'aurait mis super bien, hein. Comment ça claquait au sol? Comment ça claquait au sol? Et du coup, y a rien d'autre à faire dans cette zone de mort? C'est genre, la zone, c'est juste le cimetière, genre. Comment je me barre d'ici? Avec une ruée. Après, il y a des trucs en haut. Non, la zone, c'est pas que ça, il y a des trucs en haut, mais je sais pas comment, je peux pas y aller encore. Bon, ok. Ok, ok. Où qu'on va, du coup, on va dans les brumes canyon? Ouais, on va dans les brumes canyon. De toute façon, ça sert à rien de retourner à la ville. Je suis mort comme une merde, j'ai pas d'argent. Ouais. On s'en va, hein. De voir comme ça, on dirait à la dame du CDI, mec. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Il faut très clairement que j'aille... Ah, mais je peux taper les projectiles pour... Ah, peut-être. C'est marrant, quand il est près du mur, il utilise pas son shield. Yo! Ah ouais, double hit. Quand il est près du mur, il se dit bon, le shield, bon, en vrai, pourquoi? Non. Alors, ok, je propose de pas manger la mouche. Je propose de prendre le banc. C'est où le banc? Ici le banc? Ouais, il est ici le banc. Incroyable. Ça nous met très bien. Le banc qui rend toute la vie, ça nous met trop trop bien. On va descendre en bas, suivre la route sur la droite. Ça va être incroyable. Hop. Allons-y, messieurs, dames. Normalement, là, on va... Oh, 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 quel dodge. Droit vers la droite. Droit vers la droite, on ne s'arrête plus. Non, mais... Arrêtez! Le game! Je touche plus à rien. C'est dur. C'est... Ouais. Non, non, mais... C'est un jeu où faut pas... C'est un jeu où t'as jamais le droit de te presser. Exactement comme les Souls. Hop là. Pas mal. Pas mal, pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Oh là là, incroyable. On y est presque. Il faut que je monte, que je parte à... Waouh. Que je parte à droite, que je goume cette abeille, que je descende. C'était de l'eau. C'était de l'eau, mon bad. Ah non, c'était pas là. Non, 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 ok. Alors, fallait que je descende. Ah, c'était là. Ok, essayons de trouver la fameuse route à gauche où apparemment je suis jamais allé. Juste en dessous d'ici. Hmm. Ok, juste en dessous d'ici. Ah bah oui, il fallait la ruée, évidemment, évidemment, il fallait la ruée. Très joli ici. Oh mais attendez, regardez, mais c'est... Oh là! C'est le problème. Ah, je me disais, si je le tape pas, peut-être que... Oh! Ah ouais... Prochaine aussi, non? C'est la même version que l'autre, en fait? C'est genre, quoi qu'il arrive, je dois juste attendre que... Ça tape... Il est pas très simple à dodge, hein. Il est vraiment gros, faut pas rater le timing.
tam ta pa ta pa ta pa ta pa ta pa ta ta pa 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 ta pa. Bah alors, il a pas tapé en bas, il a tapé devant, l'idiot bête. Il l'a refait. Trop. Et vraiment, c'est pas moi, hein, c'est lui. Hein. Ça fait 50 ans que je le tape, genre il veut pas mourir un jour. Combien de fois je dois faire ça? Crève. Oh bah, il est revenu par la gauche. Oh, j'ai été surpris. J'ai été pris au dépourvu. Ok, salut. Il est trop fort pour moi. Des petits... Non! Oh, j'ai un point de vie! Des petits trucs... Attendez, je peux récupérer de l'âme sur ces choses, en vrai. Je peux récupérer de l'âme et aller me venger. Ça va bien se passer. Tac. Je peux pas partir sans m'être expliqué avec la chenille. Vous voyez le problème? Tiens, prends ça. La prochaine fois qu'il passe, je me soigne. Tac. Nice. Ça me touche pas. Lightbox est scandaleuse. Le jeu est scandaleux. Il est immortel en fait. Vous êtes en train de me faire perdre mon temps là. Personne m'a dit que la bestiole était immortelle. Ou peut-être qu'à chaque fois que je me barre lâchement, il récupère sa vie en vrai. Ça c'est possible. Ça c'est très possible. Non, il est juste mort. C'était le pire fight du game. Il y avait un move possible et il fallait le faire 15 fois genre. Et les petites bestioles, elles sont juste parties? Ok. Salut. Nice. T'as juste à taper devant toi? Non, les amis, il m'a chargé dessus, messieurs, dames. Bonjour Nexen. Bonjour Venom Black. Hop, il y a de l'argent à droite. Il y a de l'eau en dessous. Il y a de l'argent. Argent! Ok, nice. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui vient de me... Ah, c'est la plante! Je l'avais pas vu. Malheureux. Ok, oh non, mais je peux pas me débarrasser de la plante, elle est... Ça va être... Il est infernal ce placement de plante. Fallait que je me la fasse au Kamehameha, je pense. Oh, je suis mort si loin. C'est à l'autre bout de la map. Faut vraiment prendre les bancs à chaque fois que c'est possible. Hein. Oh là là, c'est si loin. Pas toi encore. Qui s'est passé là? Ah, il s'est repris des... Ah, il s'est pris le renvoi des dégâts. Il s'est pris les épines, c'est pour ça. Ça, c'est phénoménal, par contre. Je comprenais pas qu'il soit mort sans que j'aie besoin de le taper. Ils sont 18 000. Arrêtez. Je vais pas arriver vivant jusqu'à mon ombre. Hein. On le sait tous. On en est bien conscient. Je joue n'importe comment. Ok. Pas mal. T'as déjà fait une vidéo sur Minecraft? Non, mais j'aimerais bien, mon gars. Normalement, là, c'est là où je descends. Est-ce que ce serait pas bien d'aller prendre le banc? Ce serait bien d'aller prendre le banc. Il est où? Il est juste à droite. Faut pas qu'on crève. Il faut qu'on se soigne aussi, c'est réel. Oh bah non, en fait, le banc est là. Ok, incroyable. Le banc est là. Quand on va remourir comme un idiot, on repartira pas de 25 km. Ça, c'est fou. C'est juste dingue. Il y a une plante. Ouais, ici, je me souviens qu'il y avait une plante. On va se barrer. Encore une là. Hop là. Pas très loin de mon âme. Ok, ruée ici. Aïe, la caméra. Tu vois?
Toujours à peu près. Trouver comment pas mourir. Elle a delay. Pas grave. Comment je me débarrasse de la plante? Comment est-ce que je me débarrasse de cette plante? Oh là là, c'est vraiment très clairement les problèmes. Ah mais je sais. Avec des ruées en fait. Avec des ruées genre. Ah, presque. Des lombriers. Ça va mal finir, vous le savez. On peut pas. Elle est protégée par genre le plafond de la grotte. Je suis pas obligé de me la faire après, mais. Comment vous dire? À ce niveau-là, c'est une question d'honneur en fait. Faut que j'attende que la bestiole soit en dessous. Et comme ça, je peux taper vers le haut, vers elle. Et après, taper vers le bas. Non, c'est la pire strat possible. Ça va, c'est bon. J'ai compris. Oh. Encore toi, regardez, il a des bras, il fait genre... Oh. Il a l'air grave... grave blasé. Oh. Oh lolo. Il y avait aucune raison de faire ça. Super. Ne pas se presser. Quand on se presse, on décède. Hop là, très content. Je suis encore en train de faire un aller-retour qui sert à rien. Oui. Oh non, reviens. Je suis tout seul sur ma rive. Reviens. Non, je joue plus clavier-souris, j'en ai eu. Les déplacements étaient no joke plus précis au clavier-souris, mais tout le reste est trop confortable à la manette. Donc vraiment, je vais aller acheter un câble. Un câble, je vais aller acheter un câble. Nombreux à avoir été traumatisés par les légumes, alors que c'est délicieux et bon à la santé en fait. Qu'est-ce que vous me baragouinez? Oh, chenille! Ok, chenille. Et je peux pas aller plus loin. C'est fini, c'est terminé ici en fait. Je crois que c'est terminé ici, messieurs dames. J'ai pas le pouvoir pour aller plus loin. J'ai clairement pas le pouvoir pour aller plus loin. On va retourner au banc, sans mourir. Sans mourir, bien sûr. Et on ira dans le canyon, hein. Et ça va quoi, les chenilles? J'en ai aucune idée, mon gars, mais je sais qu'elles sont adorables. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en savoir plus? Welcome aboard, Captain. Oh! Est-ce que lui aussi je peux rentrer dedans? Non. Comment j'avais pas ramassé ça la première fois? Essayons de pas mourir. Y'a rien à taper dans le coin, donc vraiment je peux pas récupérer de l'âme. Donc je reste à 2 points de vie. Très bien. Et là normalement je peux juste me barrer par le haut, non? Ouais, excellent. On va retourner. Ah mais je peux pas. Si je peux. Ah. Oh, attendez. Tac. Qu'est-ce qui se passe si je monte? Qu'est-ce qui se passe si je grimpe ici? Eh bah, que dalle. Je suis juste revenu là. Très bien. Parfait. Il nous faut le banc. Le banc est la vie. On a pris 41 abonnés depuis le début de ce live. Comme d'hab, j'en ai remercié 3. Si quelqu'un qui s'est abonné pendant ce live n'a pas été remercié, je vous prie d'accepter mes remerciements et mes excuses en même temps, du coup. J'ai si hâte de Silksong, frère. J'entends des malheureux dire cette phrase depuis 5 ans, je crois. Merci pour ton abonnement, physien. Merci
pour ton abonnement, Martial. Il y en avait deux smart qui attendaient que je me réveille et que je fasse à nouveau gaffe au sub pour ce sub. Bien vu, les gars. Ok. Maintenant, on va au Brume Canyon. Canyon brumeux ? Brume Canyon, non, vraiment. Let's go. Ça part. Bon, j'espère vraiment qu'on peut... S'il n'y a pas une route que je peux trouver grâce au dash ici, je sais officiellement pas où aller dans le game. Hein. Officiellement, aucune idée. J'étais si loin. Ah. Globalement, c'est regrettable ce qui se passe, mais j'avance. Pas de carte pour cette zone, c'est réel. C'est très réel, pas grave. Essayons de pas taper les grosses s'il n'y a pas besoin, hein. Comme ça on perdra pas de la vie gratuitement. Merci Dratax24 et merci Cadeau Anonyme. Merci à Cadeau Anonyme qui a offert 5 cadeaux anonymement. Je vais crever. Je suis pas mort. Cadeau Anonyme, tu me redéconcentres comme ça en fait, c'est foutu entre toi et moi, vraiment. Je fais pas d'effort. Mais merci quand même. T'es un chic type. Attendez, mais je suis déjà venu ici? Jamais venu ici. Mais attendez. Attendez. La dernière fois que je suis venu à Brume Canyon, je suis arrivé dans un grand lac de brume, probablement. Et je pouvais pas avancer plus. Je suis jamais arrivé ici. Jamais mis les pieds ici, on est tous d'accord. Ouvre la main pour voir si t'es venu. Bien vu, fantôme. Putain, j'ai voulu mettre un ban de genre 30 secondes à fantôme, mais j'ai réalisé que je sais pas comment faire ça. C'est pas grave. Bien joué, très bonne blague. Donc j'étais juste jamais venu en fait. Ça c'est le symbole de la garde des coléoptères, donc je peux la débloquer parce que pour une fois j'ai de la thune. Oh mais attendez. Bagon, t'étais pas obligé de le faire. 10 minutes en plus tu la bannes. Non mec, fallait le ban genre 20 secondes. Tu vas pas le ban 10 minutes pour une blague mec. Mec, 10 minutes c'est trop. Attendez, il y a quelqu'un à qui parler. Ah mec. Nudo Aya mec. N'est-ce pas incroyable? Je m'attendais pas à trouver une si grande station de coléoptères après cette brumeuse descente. Les insectes d'Alonest devaient être grandioses pour avoir réussi à construire de si grandes structures dans ces régions sauvages. Mais mec, à l'époque, c'était pas sauvage. Donc c'était pas un exploit. Tu comprends? Zegretrio, dis-toi, le jeu est tellement bien que techniquement, pour réussir à arriver ici, t'avais un tout autre chemin. Ils ont mis plusieurs routes dans leur game. Impressionnant. Apparemment, les créatures dangereuses des autres régions n'ont pas encore réussi à se frayer un chemin jusqu'ici. Quoi. Donc c'est plus dangereux si je descends ça. C'est l'endroit idéal pour prendre un petit peu de repos. Mec, prenons un petit peu de repos, mec. Il y a un côté... Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, d'un coup, à... Made in Abyss. Ce délire de voyage où tu fais que descendre. Aïe. J'avais pas réalisé, mais genre, toutes les zones sont en dessous les unes des autres et tu commences au tout début par tomber dans le trou à Alonest. Il y a vraiment un délire où tu descends, et il y a des strates de civilisation, et plus tu descends, plus c'est dangereux, mais en plus,
plus tu descends, plus tu trouves des civilisations anciennes. Il y a un vrai délire. Il y a un vrai délire Made in Abyss. Hop là. Est-ce qu'on retournerait pas en bas à la ville juste pour voir? Oh! Je sais qui on va aller voir. On va aller voir l'insecte, on va aller voir la dame moustique qui fait « Même pas là-bas !» Plus je visite d'endroits, plus je sens que mes souvenirs me reviennent. Comme si les tunnels de coléoptères dans mon esprit étaient ouverts à nouveau. C'est fou. Oh, l'animation de... Ouais, ça c'est fou. Hein. On a vu plein de bruitages incroyables, mais vraiment aucun à le level de... Pas fun, hein, là. Toi, ça va? J'ai visité le temple. Oui, j'ai visité le temple, mon gars. Les plus courageux, ils sont allés une fois pour prier. Ils ont dit se sentir en paix. Mais après un certain temps, ils ont cessé de s'y rendre. Je me demande ce qui a changé. C'est pas l'endroit où il y a l'œuf, le temple? Ou j'ai rêvé? Alors ça, c'est la mouche. Ici, c'est la mouche, il me semble. Vends-moi... Pour moi, un truc extrêmement cool, jeune mouche. La lampe, elle ferait plaisir, mais elle est si chère. L'œuf, j'ai vraiment envie de savoir, mais c'est quasiment sûr que c'est... Ouais, c'est ouais. Le charme qui augmente les iframes. Le charme qui augmente les iframes, il me fait de l'œil. Hein. Il me fait de l'œil parce que je suis presque sûr que j'aurais pas galéré autant sur les blaireaux. Les blaireaux en armure, si je l'avais eu. Hein. Éclat de masque. Ça, je soupçonne que c'est un truc qui augmente les stats si t'en as suffisamment. C'est quoi, j'en prends un juste pour voir ce qui se passe, voilà. À tous les coups, quand j'en ai genre 4 ou 5, il se passe un truc. Sa femme est vraiment très grande. Ça c'est pas ça, ça c'est la gare. C'est la gare. Ah oh bah tiens! Zot le redoutable, c'est le vieux ronchon qui s'était fait mâcher par un moustique. Pourquoi rôdes-tu ici dans l'ombre? En effet, tes yeux ne te trahissent pas. Je suis Zot le redoutable, chevalier de grande renommée, tremble devant moi. Pendant que tu te cachais dans ton petit village, je me suis aventuré dans la fosse obscure et j'ai tué une bête immense, elle avait des mandibules acérées. Tu me mens frère, tu mens de A à Z. Toute la gloire me revient, mais j'ai pas le temps pour ton adulation. Il me fait penser au chauve dans Dark Souls. Il me fait penser à l'insupportable chauve dans Dark Souls qui te pousse dans des trous dès qu'il a l'occasion. Oh, attendez. Pafanada. C'est un truc de fou qu'un mot dans une langue que je comprends pas me fasse autant passer le sens de « elle s'emmerde comme c'est pas permis ». C'est genre « bienvenue ». Je sais, c'est le bienvenu blasé de l'employé payé au SMIC qui vient de passer 12 heures dans une boutique où il y a personne, genre. C'est, ouais. Ah, mais attendez. Oh, mais il y a plein de marqueurs différents. Oh, mais c'est fou. Ah, les cocons bleus, c'est pour avoir... Les cocons bleus, c'est le fameux truc avec lequel on pouvait pas interagir, c'est ça? Épingle de marchand. Station de coléoptère, en vrai, ça vaut probablement le coup. Source chaude... Les sources chaudes, on est d'accord, ça rend l'âme, c'est ça? En vrai, je vais tout acheter. Hein. Bah les couilles, hein. Je vais prendre les stations de coléoptère. En fait, et puisque je peux, oui, puisque je peux me soigner, si ça rend l'âme, ça rend la vie, en fait. Je vais prendre les coléoptères, je vais prendre les sources chaudes et je vais commencer à prendre des marqueurs pour pouvoir marquer des endroits. Hop là, un bleu. Hop là, un rouge. Hop là, un jaune. Let's go. Je vais vous dire que la prochaine fois qu'on va croiser un endroit où on peut rien faire, ça va marquer fort.
Merci pour le sub, Aldep51. Welcome aboard, Captain. Salut. Emmène-moi à la station de la reine, frérot. Ça part. Marchand, c'est important. Je sache que je les ai tous pris, sauf marchand, mon gars. Miam, miam, miam. Ok, sauvegardons ici au cas où. J'ai tout acheté sauf le plus important, je suis abattu. Quoi? Quoi? Non, mon gars, dis pas ça. Dis pas ça, mon gars, marchand, c'est surfait. Ok, pas par là. C'est cet endroit. Cet endroit, plus que les autres, me fait penser à Made in Abyss parce que ça fait vraiment grande civilisation. Il y a un giga bâtiment, tu sais, genre... Je sais pas. Il y a un truc. Il y a un truc. Toujours aucune carte, hein. J'ai probablement rechecké entre 12 et 25 fois avant de trouver la carte de l'endroit. Oh, c'est quoi ça? Caverne nocive. Un ballon. Oh non! Oh, il est mignon, regardez-le. J'en aurais jamais assez du chara-design des bestioles et des bruits qui font... Oh, carte. Carte, regardez. Cornifex n'est pas loin. Oh, mais j'aurais pas assez de thunes pour lui acheter sa carte. Parce que j'ai tout acheté, je suis un idiot. Ok, donc on est dans une caverne de champignons. Oh! Oh! Il y a un jeu Made in Abyss, mais il faut vraiment être très fan pour avoir envie d'y jouer. Ah! Je vois. Aïe. Arrêtez. Vous avez vu ce heal réflexe instantané, comme si j'avais passé ma vie entière sur le game? Quoi? On va se faire foutre. Allez, salut mon gars, faut que je pense à utiliser plus la ruée par contre. Faut vraiment pas grimper ici. Je sais pas où on va, messieurs, dames, mais laissez-moi vous dire que... Ouais, on y va. Ça explose. Ça explose. Faut pas essayer de les renvoyer. Au secours. Oh, mais c'est la tête chercheuse en plus! Non! Saut d'Alonest. Exactement, mon gars. C'est ça que je voulais. Oh. Non! Arrêtez! Au secours. Ok. Ok. Pas d'âme, deux points de vie et un rêve. Bonsoir, tes salauds, burflof. J'espère que tu vas bien. C'est quoi ça? Je peux rentrer dedans? Je peux faire un truc? Ça existe forcément pour une raison. Hmm. Ok, étrange. Oh non, pas encore toi. On va y aller. On va y aller. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Inquiétant un petit peu. Hmm. Ok, vers le haut ou vers la droite? Ok, fermé. Donc vers la droite. Oh, c'est... Non mais j'ai pas vraiment en état de me friter avec un... Ouais! Ijan, on dirait un bébé. Ouais! Quel bruit infernal! Aïe, 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 arrêtez. N'explose pas, frère. Oh, il y en a des petits! Il y en a des petits! Misère de misère.
Je... C'est normal que... Ouais, il fait vraiment ouin. Oh, y a des petits... Oh mais non, mais je suis en train de massacrer les petits. Bah tant pis pour eux, vraiment. À un moment, frère... Vous allez grandir, vous allez devenir un truc qui fait ouin. Oh frère, le... Oh, il tape pas en bas. Tape pas en bas, frérot. Ouais. Est-ce que c'est normal que j'ai pas... J'ai vraiment du mal avec mes hits. J'ai un mal de fou avec mes hits vers le bas. Ils rentrent pas très souvent. Est-ce que c'est normal que je me sois aventuré si loin dans cette zone sans jamais trouver le mec qui fait la carte? Non, hein. Oh, un giga champi. Un giga champi. C'est un fat champi. Oh, regardez comme il est posé. Regardez comme il est... Regardez comme il est posé, le gars. Ah, mais c'est pas... Je peux pas interagir avec lui, il est juste là. Mais c'est une serre, ici. Ok, c'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. Ah, c'est bon, il a décidé de survivre. Plaisir. Aïe, aïe. Jamais avoir le temps de me soigner ici. Hein. Non. Peut-être. Non. Ah. Nice. J'aime beaucoup. Heureusement qu'il était presque mort. Oh, sa tête, elle est résistante. Ok. Nice. Pas trop mal. Oh, c'est pour moi ça ? Emplacement de charme. Frérot, j'ai déjà beaucoup de charme. C'est quoi déjà, petit fantôme? Soul Stealer réel. C'est à ce moment-là que tu te manifestes, Hugo. C'est sur le chaud, ça? Ou c'est... Je sais plus ce que ça veut dire, les petits... Ouais. Je pense qu'il y a un truc très... Arrêtez! Je pense qu'il y a un truc extrêmement drôle à faire une fois que t'as fini le game, c'est lancer un blind test de tous les bruits du jeu et voir si tu peux reconnaître les personnages et les monstres. Ils sont tellement uniques, ils sont tellement pleins de personnalités que je pense que je les reconnais la plupart, genre. On fera ça quand j'aurai fini le jeu. On fera un giga blind test. Comment ça finir le jeu rigolade, non? Emote qui rigole, là. Bien sûr, finir le jeu. Et une fois que j'aurai fini le jeu, je ferai un truc qu'aucun joueur de Hollow Knight a jamais réussi à faire. C'est-à-dire que je casserai pas les couilles du monde à chaque conférence en disant oh, « c'est quand, s'ils sont ?» Alors ça, vraiment jamais accompli avant. Oula, c'est le problème, ça. Ça, c'est encore un boss, ça. Ça va? Ah, mais tu n'es pas un boss. J'allais vraiment t'en mettre une, hein. Lien. Et un clin au tien de Maya. Les petits pas d'une petite créature. Peut-être une aventurière, comme moi. Oui. Cherches-tu des endroits dangereux? Tu es sur la bonne route. C'est Cloth de Noah Sturtridge. Ah ouais. Une bestiole au long cou m'a averti d'une tribu un peu plus bas. Elle m'a dit que c'est des sortes de guerriers. J'ai envie de me battre. Cloth. Ok. Reste vigilante, créature aventureuse. Reste en vie pour que nous puissions nous retrouver. C'est extrêmement Dark Souls, hein.
Je sens de l'inspiration Dark Souls à peu près partout. Hein. Jusqu'au PNJ auquel tu parles une fois et puis tu les retrouves deux niveaux après, et puis trois niveaux après. Et puis il y en a un d'entre eux qui va crever, ça va être super triste et tous les fans ils vont être en mode « Oh j'aimais tellement ce personnage !» C'est sûr. C'est certain. Comment je monte? Je peux les toucher les... Oh! Oh d'abord! Oh et oh! Comment je fais des gigabons? Faut que je tape? Ouais ok, faut que je tape. Presque. Ok donc. Je tombe. C'est dur. Nice. Waouh. Champignons là. Des petits champignons partout. Oh, il y a des champignons sur la tête, lui. Oh, il va péter, ouais. Oh, bah c'est bidule. Vu la défouraillée que je lui ai mis la dernière fois, j'aurais couru aussi à sa place. Hein. Je sais pas où on va, mais on y va. Oh, de l'argent. Il y a très peu de choses qui me rendent aussi heureux que de trouver ces pierres que tu peux te démolir pour avoir de la thune. Oh là. Ouais, alors ça, ouais. C'était... En vrai, j'ai lancé l'action et je savais que c'était une idée de merde. Kamehameha. Pourquoi j'ai pas la carte? L'enfer, la run Nogeo. Ouais, mec, c'est... Mec, c'est... Je comprends pas où est mon argent, mon gars. Je sais pas ce qui s'est passé. Je comprends pas où est la carte, messieurs, dames. C'est sûr, j'aurais dû la trouver. J'ai dû prendre un mauvais embranchement. Au moins, j'ai la plume. Donc, quand je la trouverai, je pourrais faire toute la zone d'un coup, genre. Attendez, faut que je me concentre sur ça. Hop. Saute, frérot. Ok, pas mal. Pas trop mal. En fait, ils servent juste à se déplacer, ils sont complètement... Je les massacre depuis tout à l'heure, mais ils sont complètement inoffensifs, ces petits machins. Ok, ouais, faut pas les toucher, quoi. T'es pas censé entrer par la station de la reine de base ? Quoi ? Vous êtes en train de dire que j'ai pris un chemin détourné ? Ça que vous me dites ? Oh, j'ai pas d'âme pour faire un Kamehameha. C'était vraiment, clairement le moment pour faire un Kamehameha. Kamehameha ! J'en ai eu qu'un. Non, c'est trop. Oh, chenille ! Danse de la chenille. Hop là, ça c'est fait. Où c'est qu'on va? Je crois que c'est par là. Hein. Je peux aller par là. Oh mais je suis revenu au tout début. Je connais bien cet endroit. C'était juste... Le truc giga flippant, c'était rien d'autre qu'une manivelle, en fait. Ok. Du coup. Oh, c'est lui. Je l'entends. Cornifex ! Il est juste au-dessus. Comment est-ce que je vais jusqu'à lui ? Je peux pas grimper. Misère. Il est là. Je vois ses cartes et j'entends son rire bizarre. Grimpons. Il est là. Au-dessus, à gauche, où ça? Mais non. Il est en dessous. Oh, let's go, Cornifex!
Mon minuscule ami, frère, tu n'es pas si gros que ça. Vous m'avez trouvé au meilleur moment. Je viens de finir de cartographier ces cavernes. En plus, j'ai eu le temps. En plus, j'ai eu pile le temps de ramasser un peu d'argent pour lui acheter la carte. C'était tout prévu. C'était parfait. Plus bas encore, d'étranges créatures toutes fines, m'ont donné une peur bleue. Elles avaient l'air très intelligentes. Ok. Dans ma jeunesse, j'aurais bravé ces grottes, mais j'ai bien peur qu'avec mon vieux corps, je ne puisse pas les semer lorsqu'elles deviennent agressives. Ça veut dire que tu vas pas descendre plus ? C'est-à-dire que tu vas me laisser faire les régions suivantes sans carte, mon gars ? Non. Là, c'est actualisé, là ? Probablement actualisé, là. C'est quoi le gros machin à droite ? C'est le boss ? C'est pas possible. Ok, donc station de l'arène. Coléoptère plus banc, c'est normal. Routes oubliées. Ah, on pouvait tomber des routes oubliées. Oui, je le vois. Ok, très très bien. Donc si je monte, ça retourne à la... Si je monte, ça retourne juste à la station, donc c'est pas la peine. Faut que je descende plutôt et que je parte en bas à gauche. On y va. Très joli par ici. Ah mais je peux pas... Donc ici, vous savez quoi ? C'est le bon moment pour mettre un marqueur. Comment je fais ? Comment est-ce que je... Marque. Ah ah ! C'est ici, c'est sûr. Marqueur, je vais mettre un rouge. Voilà. C'est bloqué. Bien vu, mon gars. Ça vraiment, à moins d'avoir un giga jump de fou furieux, vraiment je ne sais pas comment avancer. Essayons de continuer vers le bas du coup. Est-ce qu'on n'irait pas voir le... Vous voyez le gros boss à droite, je comprends pas pourquoi... Il y a une raison, il y a peut-être une grille ou un truc à la con, mais j'ai oublié pourquoi je pouvais pas y aller. J'ai voulu dash, et j'ai Kamehame à la place, comment demeurer. Pas grave. Non, en fait, je pouvais juste y aller. Je suis bientôt centre de jeu, je savais pas qu'on pouvait mettre des waypoints. C'est quoi des waypoints? Qu'est-ce qu'on appelle des waypoints? Examinez. Ici se termine la route des pèlerins. Le cœur d'Alonest s'ouvre devant vous. Continuez d'avancer pour partager sa gloire. Vous m'avez menti. C'est le moment de mettre un marqueur rouge. Je m'attendais... Non mais genre... Avant de me traiter d'abruti, s'ils avaient été vraiment inspirés, ils auraient fait un truc à base de « un pèlerin, ça doit avoir la foi, et ça doit marcher même s'il n'y a pas de pont, et il y aurait eu un pont invisible, ok ?» C'est pas ma faute, si les devs, ils ont pas d'imagination. Je vais mettre un marqueur. Je vais mettre un marqueur, c'est bon. Hop. Bumf. L'eau, c'est sous-côté comme invention, vraiment, ça carie. Hein. Ok, descendons tout en bas. Ah, mais il y a un truc à droite aussi. J'ai la flemme de remonter. Je sais pas ce qu'il y a tout à droite, mais vraiment... Mais j'ai la flemme. On va descendre. On va descendre, messieurs, dames. Ah, le truc qui m'inquiète un peu, c'est que je viens d'en bas. Je sais que j'ai monté tout ça. Déjà, pourquoi je peux pas aller à gauche ? Oh, je peux pas aller à gauche. On dirait que je vais être obligé d'être un marqueur. Ça sert à rien les marqueurs. Ça sert à rien les marqueurs. En fait, je vois bien qu'il y a des endroits... Oula. Bon. C'est de la merde les marqueurs. Parce que de toute façon... Bah genre, qu'est-ce que tu veux? Genre, je sais que je peux pas y aller. C'est pour ça que c'est pas... Qu'on peut pas aller plus loin sur la carte. Vous voyez ce que je veux dire? Allons à droite. Ok, voilà une zone qui n'a jamais été cartographiée. Messieurs, dames.
oh, c'est les trucs bleus, c'est les trucs bleus tout fins, très intelligents, qu'ils font peur aux gens. Et d'ailleurs, ils sont flippants de fou, regardez, ils ont mis des crânes d'insectes pour qu'on vienne pas les embêter. Salut. Ok, ouais, c'est des mantes religieuses, c'est les problèmes, j'ai que 2 points de vie, j'ai pas d'âme, je sais pas c'est quoi ces patterns. Elle sait pas que je suis là. Elle sait que je suis là. Ah, elle tape en l'air. Pfff. Je vais me faire... Y'a pas un banc dans les environs. C'est-à-dire que vraiment, si je crève, je reviens, mais je reviens, je sais même pas où je reviens. Je peux juste me barrer. Ah ah ah, oh, y'en a d'autres. Let's go. Quel clutch. Oh, oui. Y'en a encore une. Prends ça. On la lifesteal petit à petit. Let's go. Oh non, pas toi. Il y en a deux. Elle tape très vite en haut, mais lentement devant elle. Ok. Je commence à comprendre les... Salut mec. Commence à comprendre les patterns. Et je viens de réaliser que ça fait 10 heures de jeu que je me dis c'est trop marrant, il peut regarder en bas. En fait, c'est ce que je suis censé faire avant de me jeter dans le vide pour pas marcher dans la flotte par exemple. Ben oui, évidemment. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyageurs cherchant la mort, bienvenue. Puissiez-vous trouver une fin rapide entre nos pains? Ça vous faites beaucoup les malins pour des gens dont je viens déjà de tuer 3 d'entre vous en arrivant, genre. Ils m'ont donné la possibilité de regarder en bas justement pour que je crève pas en tombant. Ils sont smart. Ils sont smart. Je peux récupérer de la vie là? Non. Maintenant je peux. Oula. Hop là. Hop là. Ok, je peux pas. Je fais un peu trop le malin avec les dash. Je peux pas la toucher quand même. Si le dash faisait des dégâts, ce serait bon, peut-être trop facile. Ouais, ça, je vais trop près de lui quand je dash vers lui pour faire le malin. Ça m'apprendra à essayer de flex. Alors là, j'ai un... Je vais crever. Je... Il y avait tellement de choses sur lesquelles j'aurais pu m'accrocher, genre. C'est dommage. J'en ai pas attrapé un seul. Oh, attendez, il y a de l'argent. Ok, je sais pas ce que ce panneau signifie. Et où est-ce que je suis d'abord? Évidemment qu'on sait pas où je suis. C'est un panneau qui dit, on dirait un petit bonhomme en train de tomber. On dirait non. Ok, on va flinguer la mouche. On va aller chercher l'argent. La mouche protège l'argent et donc la mouche est mon ennemi. Hop. Non, non. C'est insupportable, ok. Regarde un peu la forme du panneau. Et je vous jure, on dirait un petit bonhomme qui tombe. Regardez. Au-dessus, c'est genre une boîte. Ok, si, je vous montre. Vous voyez le panneau? C'est une boîte. On l'a retournée, on l'a secouée et elle s'ouvre. Et y a le bonhomme qui était dans la boîte, il est en train de tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le voyez? Bien sûr que vous le voyez. Et il y avait une pièce avec lui dans la boîte et elle tombe à côté. C'est tout à fait ça. Ouais, alors c'est pas l'endroit. En fait, c'est pas l'endroit pour l'affronter, en fait. Les endroits où on peut pas reculer contre les mantes religieuses, c'est les problèmes. Hein. Oh, un banc! C'était juste un truc pour un banc?
Il y a un bruit. Oh non, elle pleure. Ouh. Ok. Donc la boîte, c'était le banc, en fait. Pas aussi drôle que mon explication, mais ok. Très joli ici, attendez. On croirait encore des vieilles ruines. Vous voyez comment d'un coup, c'est encore une nouvelle architecture ? Et on dirait pas les trucs des tribus des mantes religieuses. Oh. Où suis-je ? Maître de la célérité. Oh. Un passage secret ! Avec des petits champignons sans défense que je vais m'empresser de massacrer. Oh, ah, ah. Ouah. Ils sont deux, ils sont deux. Kamehameha. Merci pour le subs, laps O. Ou alors laps 0, ou alors laps 0. J'ai fait tout ça. Attendez, du coup je suis perdu. Du coup, attendez, posons-nous sur le banc pour mettre à jour la map. Du coup, je suis perdu. Hein. Du coup, je pensais vraiment que la suite de l'aventure c'était en bas de cet endroit. Donc vraiment, comment je vais la voir elle? Comment je fais? Forcément une strat. Merci pour ta dernière vidéo incroyable, mec. Merci à toi en fait. Ok. Tant pis. Pas grave. Ça fait quoi, maître de la célérité, sinon? Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Hop, la carte mise à jour. Du coup, ça c'était juste une petite statue. Il y a l'air d'avoir un truc à droite, mais c'est un peu bizarre. Ok, je suis officiellement perdu. Mon seul espoir, ce soit que tout en haut à droite, il y a une route. Sinon, je ne sais pas où on va, genre. Parce que tout est bloqué, ou tout est cul-de-sac. Comment ça se passe du côté du maître de la célérité? Ayant un peu l'apparence d'un insecte excentrique. Permet d'effectuer des ruées plus souvent, et d'effectuer des ruées vers le bas. Attendez. Ça, c'est fou. Ça, c'est une dinguerie, par contre. Mais je peux rien enlever. Pierre charme, comment ça pierre charme? Comment ça pierre charme? Attendez. Laissez-moi faire quelques tests. Bon, c'est pas si rapide que ça. C'est pas si rapide que ça, il y a quand même un temps d'attente entre deux dashs. On enlève les épines en vrai. Ouais, mais là je peux plus reculer en fait. Je sais pas trop. Elle s'est dissoute dans l'eau? C'est très grave. On dirait que les mantes religieuses supportent pas la flotte. Non, je déconne, j'ai compris que c'est de l'acide, c'est bon, j'ai compris. Personne s'énerve. Aïe. Je suis en train de faire... What the baba. Ok, j'aime bien. Oh là, alors toi frère, t'es né 20 ans trop tôt pour m'égaler. Comment je... Ok, nice. C'est vraiment... Pas pouvoir taper en diagonale, c'est terrible, hein, vraiment. Aïe. Du coup, j'avais plus de vie. C'est marrant, t'oublies une des règles principales du Metroidvania? Ah bon? Moi?
Moi, je... Moi, une règle principale du... Ok. Pas par là qu'il faut que j'aille. Clairement pas par là. Salut. Non, j'espérais rebondir sur lui. Ça va être un enfer, je vais encore crever. Vas-y, descends. Je sais que t'en as envie. Pas mal, pas mal. Salut. The Creative View, c'est une découverte ou une redécouverte? C'est vraiment une découverte, mon gars. Je suis complètement passé à côté du game. Je sais pas comment remonter. Ah mais attendez, il y a une route à gauche que j'avais jamais vue. Wait! Comment j'ai fait pour pas l'avoir avant? Il y a une route à gauche en fait. Dommage. J'étais jamais allé là. J'étais jamais allé là. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Une mouche. Il y a des... Ok, on est très clairement... On est dans la maison des mantes religieuses, il n'y a pas le moindre doute. Hein. Elles sont partout. Il y a leurs trucs tribaux partout. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on monte? Est-ce qu'on monte pas? Il n'y a pas vraiment de raison à monter. Manivelle, ça va... Qu'est-ce que ça fait? Ok, ça ouvre un truc. Ça ouvre un bidule. Ah, je dois pouvoir faire un dash maintenant. Ça, est-ce que... Comment j'ouvre ça? Personne sait réellement comment j'ouvre ça. Yes. Tout le tour du niveau pour ça. Hein. Yes. Vraiment, allez tous vous faire voir à spammer GG là, c'est très grave. Hop là. Qu'est-ce qu'on fait ici? Encore une mouche. Je comprends pas trop où les mouches se situent dans la population des mantes religieuses. Est-ce que c'est genre des bébés? Est-ce que c'est les vieux? Est-ce que c'est genre des cousins éloignés un peu bizarres que tu gardes? Pourquoi il y a des crochets, déjà? Pince de mantes religieuses. Tout en glissant contre un mur pour vous élancer et sauter à nouveau. Oui, appuyez sur A tout en glissant. Sauter sans vous arrêter d'un mur à l'autre pour atteindre de nouvelles zones. Waouh. Est-ce que j'ai besoin d'appuyer sur... Est-ce que j'ai besoin de maintenir... Ah non, que dalle. Je peux faire hop. Alors là... Là, c'est un monde de possibilités qui s'ouvre. Et là, c'est très drôle parce que je ressors ma carte. Je fais waouh, il y a plein d'endroits où j'ai été bloqué et je sais absolument pas lequel des trois nécessite ça. Genre. Donc vraiment, je suis pas avancé en fait. Le jeu commence. Toutes les 20 minutes, il y a un mec dans le chat qui dit le jeu commence. Oh, il a battu le boss, le jeu commence. Non, c'est bon. Le jeu a commencé quand j'ai appuyé sur nouvelle partie hier. Le jeu va commencer dans 3 heures. Bah, j'ai hâte, mon gars. Rebonsoir, Pandoru. Est-ce que t'as raté des trucs dans les 30 dernières minutes? Non, mon gars. Toujours invaincu à ce jeu. Tu loupes déjà un truc à gauche? Quoi? What?
Non, mec. Je rate un truc à gauche, moi ? Vous m'avez menti, en fait. Tu m'as menti. Ah, là, là, ouais, ok. Je le vois. je le vois. Hop, hop. Ouh. Pas complètement à gauche. Ici, bien sûr, tac, tac. Soyez précis dans vos instructions, en fait. Ah, bah, je vais être de l'autre côté de... Faire du... En vrai, entre le rebond sur les murs et... Cet arbre a les mêmes petits symboles adorables qu'il y a eu quand les ancêtres sont venus pour me goumer la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, non mais les petites bestioles par contre, c'est des problèmes. Ih, incroyable. Parcours. Journal d'un voyageur. Qu'est-ce que je suis censé en faire? À part le lire, bien sûr. Journal d'un voyageur 1. Ok, Sodalonest. Oula. Oh, je peux. Ok, je peux cumuler dash et. Ah ouais. Au secours, dégage. Il faut cumuler dash et rebond pour arriver jusqu'au mur. Quelle galère. Arrêtez! C'est super dur! J'espère que vous êtes prêts parce que dans 10 minutes le jeu commence. Ah mince! C'est trop. C'est trop haut pour que je puisse faire un premier rebond. Ah non! Ah mais non, c'est dur ça. Vous êtes sérieux? Ah c'est bon. C'est très grave. Ils ont tous respawn. J'ai envie d'en finir. Ça c'est... Non, ça c'est le truc où il y a juste un machin à ramasser. Pitié, laissez-moi partir de cette zone. S'il vous plaît. Pas trop mal, pas trop mal, le parcours. N'oublie pas de retirer tes marqueurs. Alors, mon gars. Voilà, ouais, celui-là, bon, celui-là, réel. Ton timing était, ouais. Je suis si triggered, ah, bah pourquoi? Bah mon gars, bah il faut pas. Elle est où la carte? Mec, il faut pas. Retirer, let's go. Grimper sur les murs? Hein? Tu peux grimper? Comment ça? C'est pas ça que le tutoriel il a dit. Attends, quand vous feriez ça, genre? Hein? Ah, ça? Non, mais c'était un jump, ça. Ah! Ouais. Je vois ce que vous voulez dire, mais genre, est-ce qu'il y aurait pas un peu plus d'esprit sportif dans ma méthode, genre? Plus de mouvement, plus de beaux jeux, Alors. Ouais, bon. Du coup. Du coup, je peux remonter. Du coup, je suppose que maintenant, je peux remonter dans les routes oubliées. Je sais pas s'il y a un but, mais je peux. Plus de panache, exactement. J'ai envie de mourir, il vient de quitter le village en sautant le meilleur. Quoi? Non mais mec. Mec, de toute façon, là j'étais en train de me dire... J'étais en train de me dire, il y a une route juste en bas à gauche de là où je suis et il n'y a pas de marqueur, donc je sais pas ce qu'elle fout là, genre. Donc on va aller voir.
comprends pas trop pourquoi je l'ai jamais exploré, genre. Ah bah maintenant je sais. J'aurais... Et j'aurais sacrément eu du mal avec ma méthode ici. Oh non, je comprends pas. Voilà, mais en fait, vous voyez, je l'aurais compris tout seul. Le jeu est smart. Le jeu est smart parce que de toute façon, ici, j'aurais été obligé de comprendre qu'il fallait que je fasse ça. Ok. Ah mais attendez, mais je viens d'ici. Je viens d'ici, c'est juste que j'ai pas actualisé la map, j'en ai marre de ce jeu de mort. Actualiser la map en direct, pitié. Tous les jeux du monde, tous les jeux de la planète actualisent la map en direct. Vous me cassez les burnes. Le jeu t'invite à te perdre. Le jeu est un connard. Actualise la carte. Tu parles trop mal. Si on allait tout à gauche. Oh. Si on allait tout à gauche, là où il y a un marqueur rouge, et on essayait de découvrir pourquoi il y avait un marqueur rouge. Hop. Je vais y arriver. Je l'avais déjà activé. Voilà, parfait. Ici, hop, hop, hop. Ici, on est en terre inconnue. À la prochaine. Et là, on regarde vers le bas. Ça c'est incroyable comme développement. Au secours. C'était pas mon meilleur move. J'ai déjà fait mieux. Non. Ok, hop. Ok. Oh, le stress est réel. Oula. Qu'est-ce qui se passe ici? Pas de stress. Je... Il veut pas grimper. S'il veut. C'est jamais fini dans ce jeu de mort. Ok, et ça sert à quoi? C'est pas la première fois que je vois une espèce de peau comme ça, mais je peux jamais interagir avec. Qu'est-ce que je dois faire? Je canalise mon énergie. Non. Je tape, non, je saute, je descends, je regarde en bas. Dans les débuts du développement du jeu, il était prévu de n'avoir que 3 masques. What? 3 masques, mon gars. C'est pas beaucoup, hein. Il y avait rien sous mes pieds. Normal. Après, là, vraiment, j'étais très haut. Je monte. Oh, la chenille! Hop là. Évidemment. Évidemment, mon bad. Comment on va se débrouiller? Comme ça. C'est mon dernier cœur. Il va falloir pas... C'est vraiment dur, la plateforme. Il va falloir pas se planter. Aucune chance. Il y a aucune chance. Chance pour que j'arrive au bout de ce truc. En vie avec un cœur, vraiment. Oh, il y a aucune chance. Oh là, mon Dieu. Je suis déjà foutu, genre. Ok, j'y vais. Ok, attendez. Alors... Oh! Champisse-moi! Comment ça, champisse-moi? C'est bon, c'est fini, c'était tout? Quand son porteur canalise l'âme, émet un nuage de spore qui endommage les ennemis. Non, faut aller se faire foutre. En plus, c'est très clair que c'est le pire charme du game.
J'ai fait tout ça pour ça. J'ai fait tout ça pour ça. J'ai fait tout ça pour... Ok. Bah, il faut qu'on retourne sous la station de l'arène, du coup. Ah, mais c'est là où je suis. Là où je suis, en fait. Attendez. Faut pas se perdre. Faut pas se perdre. Faut enlever le marqueur, déjà. Hop là. Là, là, on sait que c'est mort. Je suis pas obligé de mettre le marqueur. On sait bien qu'il y a pas le, qu'il y a pas le pont, en fait. Il y a probablement des endroits que je peux explorer maintenant dans les routes oubliées. Juste, j'ai jamais mis de marqueur parce que, bah, MDR... MDR, quoi. J'avais pas les marqueurs, mais... Faut probablement retourner dans les autres zones, hein, maintenant. Ce qui m'embête, c'est que j'ai jamais trouvé un boss dans cette zone. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, en bas, tu peux? Comment ça, en bas? Je suis déjà en bas, mec. Je sais pas ce que tu veux me dire par en bas. Alors... Pourquoi il n'y a pas le pont? Il n'y a pas le pont parce qu'il n'y a pas la foi, mon gars. Tu comprends ce que je veux dire? Bizarre. Ça doit pas être... Vous êtes tous en train de dire bizarre, ça doit pas être un hasard, mais... J'ai oublié ce que j'ai dit il y a 10 secondes, donc je sais même pas à propos... Je sais plus à propos de quoi vous dites bizarre. En vrai, là... Là, je veux juste, retourner un bon et genre actualiser la map. Et après, on verra. Mais je vais crever. Hein. Je vais crever. Je vais devoir revenir jusqu'ici pour récupérer mes âmes. Ça va être un plaisir. Oh là là, incroyable. Faut le baiser, ce mec. Quoi, moi? Moi? Le mec qui dit qu'il faut me baiser, le même mec qui trouvait que je parlais mal tout à l'heure, c'est extrêmement grave. On est pas loin de la station, hein. Ah, pff, c'était sûr, je l'ai vu préparer son explosion, c'était loose. Station, on est vraiment pas loin de la station. Je joue manette. Station, hop. Ok. On est revenu à la station. Très très bien. Incroyable. Toujours pas comment j'ouvre ça. Quel est le plan maintenant? Qu'est-ce qu'on fait en vrai? Il est quoi? Ah, il est 2h30 sur le plan. Le plan, ça va être de cut le stream en fait, c'est ça qui se passe. C'était un excellent stream. Je vais tout casser. Arrêtez tous d'être abattus là, moi je fais de mon mieux. Ding ding ding. Il n'y avait pas un banc? Ah, c'est là, oui. Alors, actualisation de la map déjà. Village des Mantes. Oh, mais attendez, il y a un truc sous le village des Mantes. Je le vois. Il est peut-être pas temps de partir en fait. Mais ça, c'est vraiment. Jure. Non, allez tous vous faire foutre. Comment ça, jure? Non, attendez, on va se battre. Allez tous bien vous faire foutre, le chat. Si le jeu actualisait la map en direct comme n'importe quel game normal, j'aurais pas eu à revenir à l'autre bout de Babelwed pour le voir, en fait. Bizarre, tiens, allez tous vous faire foutre, frère. C'est trop... Genre, c'était... Bon, c'est bon, frère, c'est très grave. Non, c'est trop, frère. On va se battre, hein. Non, c'est trop. Quelle heure il est? Bon, il est 19h17. Non, mais si je suis obligé de cut le live maintenant. Si je pars à l'aventure dans le village des Mantes, j'en ai pour 2 heures. À quelle heure je mange? Quelle heure je fais du sport? Quel moment est-ce que je deviens énorme et sec, en fait?
vous comprenez. La mécanique de tu dois refaire un trek de 20 km sur tes pas pour actualiser la map et te rendre compte qu'il y avait des trucs à voir. Sauf si vous. Alors évidemment, vous allez être de mauvaise foi, vous allez me dire que j'avais qu'à le voir avec mes yeux, que ça se voyait visuellement, c'est impossible. J'ai l'œil du faucon. J'ai l'œil du faucon, je l'aurais vu s'il y avait un truc à voir. J'avais besoin de la map, c'est tout. Yes. Frère, c'est si loin le village des Mantes, mon gars. Vas-y, on va au village des Mantes, mais vraiment, quand je meurs, je Alt F4. Hein. On va au village des Mantes. Hop. Comment je grimpe déjà? Comment je monte ici? Hop, par là. Hop. Tu peux stop, je dois aussi aller à la salle et j'arrive pas à décrocher du live. Merci. Du coup, à la prochaine. C'est grâce à Ace of Glad 42 que je m'en vais. Hein. Là, c'est pas vrai. C'est bon. C'est drôle. C'était très drôle. Hop, j'y retourne. Tac. On est sur la bonne route, oui. Ok, là on revient dans la région des Mantes. Il y a à nouveau des trucs bizarres construits un petit peu partout. Oula. On se détend. On y est presque. Vraiment pouvoir grimper sur les murs, ça change sacrément la donne. Hein. Il y a de la flotte tout en bas. Non. Je speedrun, oui. Aïe. Ah non, c'est plus que... Ok, je vois ce que... Je vois le... Ah, arrêtez! Et je veux pas crever ici. Ah, ils sont partout! Ils sont 18 000. Ils sont 18 000. J'ai trigger... Non, frère, j'ai trigger tout le patelin. On va essayer de jouer ça. Pas trop mal. Ouais, voilà, c'est... Ok. Je vois qu'il y a de la lumière... Je vois qu'il y a de la lumière sur le sol, hein. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? En fait... Il doit bien y avoir une manivelle que j'ai pas trigger. Genre celle-là. Pas pratique qu'il faille... Pas fou qu'il faille 3 coups pour qu'elle crève. C'est ça, hein. Peut-être. Peut-être ça. Ok, on va se soigner, on va essayer de réfléchir de comment on va là. De toute façon, soit on va à gauche, soit on va à droite, hein. On est tous d'accord. Ça a pas l'air d'être en haut à droite. On va tenter en haut à gauche. T'as pris le banc à côté? Non, mon gars. Ce banc là? Non, je l'ai pas pris. Tu crois que je vais en avoir besoin? Mec, peu importe ce qu'il y a sous cette porte, c'est du first try. Hein.
Qui a vraiment besoin d'un banc? Les bancs, c'est pour les gens qui meurent, en fait. Ça, la diff entre vous et moi. C'est par là qu'il fallait que j'aille? Oui, c'est par là qu'il fallait que j'aille. Oula. Oh, bop, 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 bop. Bop, bop, bop. Bop. Aïe. Mais ça, c'est vraiment les problèmes. Hein. Non, ça va. Hop là. Ouais, c'est si j'ai envie de tenter la thune, en fait. Ok, bah j'ai tenté la thune. Je l'avais vu en plus cette manivelle, hein. Je l'avais vu, mais je l'avais oublié dans la manœuvre. Ok. Ok. Ok, c'est parti. C'était de la plateforme, en fait. C'était vraiment de la plateforme. Y'a quoi en dessous? Des mantes religieuses. Une mouche. On n'aime pas les mouches. Et j'ai plus de dames. Ouais. Il y en a une autre. Deux maintenant. Et de bada. Oula. Oh, c'est les vrais. Ouf, ça c'est les vrais problèmes. Ah! Une. Facile. Si vous avez eu l'impression que je stressais à un moment, c'était pour faire monter la pression sur le live. Hop là, tac. Ça c'est un raccourci, c'est très très bien. Ça c'est très très bien. Le raccourci fait plaisir. T'es sérieux? Oh, fais pas ça. C'est très grave. Vraiment, une demi-seconde après avoir ouvert un raccourci, je suis abattu. Ah bah non, MDR, je peux pas voir où j'ai déjà visité, parce que vous comprenez, il faut retourner à un banc pour actualiser la map, et du coup... Où est-ce qu'on va, du coup? Ah, pas par là. Là j'ai troll. Là j'ai troll, ils sont 12. Non, ça va. La grosse, elle me suit pas ici. Y a un truc derrière elle, d'ailleurs? Non. C'est cul-de-sac sur cul-de-sac, messieurs, dames. Je ne sais pas où aller, en fait. Adabada. Le chasseur, il est content. Des fois, je vois son icône en bas à gauche et je me dis qu'il est content, mais voilà. Il y a une mouche ici, mais je suis déjà venu ici. C'est l'endroit où il me dit que je peux pas passer. Je perds mon temps. Attends, si je reviens, c'est ouvert à nouveau? Non. C'est fermé pour de bon. Oh, j'ai tout fait respawn. Je viens de me rendre compte de ce que je viens de faire. Je les ai toutes fait respawn. J'ai essayé cet endroit ou pas encore? J'ai pas essayé cet endroit. J'ai pas du tout essayé cet endroit. Hop là, un petit raccourci. Pour la famille, ça fait plaisir. Un autre petit raccourci. Il y a une menthe à droite. Il y a une menthe à droite. Je pense que si je fais un seul dash, ça suffira pas. Salut. Je continue de descendre. Hein. Je sais pas où on va, mais... Il y a des raccourcis partout. C'est quoi le but de mettre autant de raccourcis aussi faciles à atteindre? Ah. Ok. Alors. Ça? Ah, vous êtes 3! 3, c'est les problèmes. 3, c'est les vrais problèmes. Défier. Ah, c'est un défi. Oh, c'est trop stylé! Non, mais frère, elles sont toutes chill. Je commence. Elles sont toutes détendues et. Ah. Ça. Dame menthe.
Ok. Ok. Ah, ça revient. C'est le plaisir. Bah, je l'ai raté. Ah! Elle m'a poussé dans le vide. J'ai perdu 2 de vie sur ça, parce qu'elle m'a poussé dans le vide. C'est très grave. Elle va revenir. Non. Hop, ok. Ah, celui-là fait haut puis bas. Oh, j'aurais dû me soigner. J'ai manqué de confiance. J'ai pas le temps. Ah, j'ai paniqué. Ok, bon, c'était pas first time. Je me suis fait bait. Je me suis fait bait par le coup vers le haut. Putain, je suis super loin. Qui m'a dit de pas prendre le banc aussi? Ah, je... La question vraiment importante. Est-ce que je peux récupérer ma thune sans les défier, genre? Ou est-ce que maintenant, à chaque fois que je vais revenir, elles vont me casser la gueule? Oui. Ah, let's go. Bon. Mais en vrai... Bon, après, je sais pas c'est quoi les patterns des deux autres. Mais la première, ça va, genre. Oh, par contre, je suis si loin. Je suis si loin, mon dieu. Je suis retombé, oui. Regarde. Elles sont ultra faciles, je pense aussi, mon gars. Je suis un mec qui fait des sadiques sur FF14, après tout. On descend ici. Aïe, j'avais pas vu qu'il y avait... pourvu qu'il y avait un mob. Oh, aussi, c'est un champignon au milieu des champignons. Salut Lucifer Granger, t'arrives pile au début du stream, excellent timing. Attendez, faut peut-être que je prenne le banc cette fois, genre. Pile quand le jeu commence. Y'a un banc vraiment pas loin des boss? Ah, c'est celui qui est en bas à droite ou vous parlez d'un autre? Ah, vous parlez peut-être de... Non, vous parlez peut-être du chemin qui monte en haut à gauche, non? Oula. Bon, j'allais prendre celui en bas à droite dans le doute, mais après je vais aller checker. Elle a pas attaqué en haut. Non. J'ai pas le temps pour toi, frère. Pour toi non plus d'ailleurs. Pour toi peut-être. Ah, fallait descendre. God damn it, il fallait descendre. Je vais jamais trouver la route. C'est un moment que je peux pas passer ici. Non mais les dames mantes, c'est quoi? Elles s'appellent les dames mantes, c'est ça? Je les dégomme, vraiment. Challenge est pas assez relevé pour moi. J'ai besoin d'un petit peu d'acclimatation, mais c'est tout. Hop. Ah, faut que je descende tout en bas à droite. Voilà, ok, j'ai les... C'est les fameux panneaux pour la boîte. Ah! Quoi? J'ai surpris par la flotte. Ok, très bien. Ça nous fait déjà un banc. Je l'ai... Ok, donc ça nous fait déjà un banc, mais vraiment je soupçonne que ce serait pas logique. Si c'est vraiment un boss dur sur lequel on est censé galérer nos grands morts, c'est pas logique que même celui-là soit aussi loin. Il devrait y en avoir un vraiment genre à deux pas.
Je suis en train de faire de la merde. Hop. Hop. Pong. Ça va bien se passer. Laisse-moi juste passer, non. Oh, mais il y a de la thune. Pouvoir la perdre. Regardez tout cet argent que je vais pouvoir perdre contre le boss. On pourrait faire une vidéo sur la beauté de la 2D, genre. Avec les Muramasa, Ori, Hollow Knight. Oh bah. T'étais là la dernière fois, toi ? Rebonjour. Je pense que t'as déjà fait la connaissance de la tribu qui vit dans ce village. J'en ai buté 35, frère. On a fait plus que faire connaissance. Et elles m'ont buté une fois. Elles semblent un peu méfiantes envers les étrangers, c'est le moins qu'on puisse dire. Cependant, ce ne sont pas des monstres, non, c'est des mantes religieuses. Elles résistent toujours à ce fléau qui s'abat sur eux et qui possède un esprit inférieur. Elles conservent leur intelligence et leur honneur, mais aussi leur tradition mortelle. Si tu prévois d'affronter les dames de cette tribu, j'ai bien peur que ton aiguillon soit trop émoussé pour ça. Je vais rien dire. Il existe une cité tout près d'ici, l'ancienne capitale d'Alonest. J'ai entendu dire qu'un fabricant d'aiguillons y réside. Tu devrais aller lui rendre une visite. Je pense que tu constateras de réels progrès avec ça. Pourquoi vous m'en avez pas parlé avant ? Je comprends pas le chat. Vous étiez 50 pour me dire que j'avais raté le truc et que j'avais pas au bonbon. Mais il y a personne pour signifier qu'on peut gagner des dégâts en fait. C'est bizarre. Bon, par contre, j'ai rien écouté de. Il a dit c'était où, donc vraiment. De toute façon. J'ai envie de checker juste en haut à gauche, en bas, le genre. Oula, attendez, mais je vais tomber. Mais je vais tomber. Bah, évidemment que je suis tombé. Remonter, oui, je peux. Oh là, il me remet tout en haut, c'est vraiment des cracks. Je pense vraiment que de fait, c'est pas la taille de l'aiguillon le problème. Hop, 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 hop. Ok, là, en haut à gauche. Qu'est-ce qui m'empêchait de monter en haut à gauche ? Il va y avoir un banc ici, je le sens. Ok, ça c'était pas prévu. Et laisse-moi passer. Je suis jamais venu ici. Ah mais non, c'était... Non, c'était ça. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. C'était juste ça, putain, je suis abattu. Comment je... La carte, là. On va très clairement mettre un marqueur rouge. Hop là. Bon, pas de banc plus proche, tant pis. Ça veut simplement dire qu'il va falloir les massacrer. Aïe, avec un point de vie. Pendant ce temps, pas de sport, oui, vous êtes vraiment directement responsable de la dégradation de mon état physique, hein, vraiment. Tu peux me laisser tomber directement jusqu'à elle, genre ? Avec mes... Je t'avais oublié, toi, tiens ! Oh, mais là, j'ai 2 points de vie, c'est chaud ! Ben, bientôt 3, mais... Mets-toi full vie. Après... Contre un boss aussi simple, est-ce que vraiment il y a besoin, genre? Aïe. Mais même retourner jusqu'à elle, ça casse les couilles en fait.
893. 893 pièces. C'est vrai qu'à un moment, il faudrait peut-être faire un petit, petit retour. Hein. Ok, donc quand elle se suspend à mi-hauteur, elle va tirer en haut, en fait. Voilà, et quand elle se suspend en bas, elle va tirer en bas. Ok, bon, c'est là. J'avais jump, hein, je vous jure. J'avais jump. Let's go, un hit. Let's go, deux hits. Let's go, quatre hits. Oh, pas mal. Faut juste que je sois à l'opposé d'elle, comme ça de toute façon j'ai le temps de réagir à ce qu'elle fait. Voilà, et là elle était en hauteur, bien sûr, bien sûr. Quoi ? Ah, j'ai pas le temps. Enfin, débile, évidemment. Tape en haut, j'ai pas le temps parce qu'il va revenir. C'est peu plaisir. Pas crever un jour ? Combien de vita ? C'est dommage. J'ai Kamehameha à la place parce que je suis toujours pas à l'aise avec les contrôles. Pas le temps de me soigner. Alors, le problème du fight, c'est qu'il dure 150 ans en fait. Putain. Cimer. Allez, suivante. Allez, deux. Ah ah ah. Ok. Bon, bah, y'a plus le temps de se soigner. Hein. Oh, bah, y'a officiellement. Oh, quand elles vont lancer ça. Ouais, voilà. Quel plaisir. Je vois. Elles ont autant de vie que la première. Ça va durer 1000 ans. Après, il y a le temps, ouais. C'est juste que je peux plus me soigner, quoi. La moindre erreur, c'est... C'est ciao, genre. Peut-être sur ça, je peux me soigner ? Bah. Je vois. Oh, deux hits. Deux hits, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Sur ça, est-ce que je me soigne genre? Oh frère, j'ai encore hésité entre le Kamehameha et le dash. L'esquive a besoin d'être sur B en fait, pas le Kamehameha. C'est logique d'esquiver avec B. Ça c'était pas logique ça. J'étais obligé de me rappeler que c'était sur gâchette droite d'esquiver. Quel jeu esquive avec gâchette droite frérot? Oh, j'ai calé un heal. Comme ça c'est... Ça c'est MLG. Hein? Oh. Pff, j'ai Kamehameha dans le vide. C'est la fin des haricots, messieurs dames. Oh, elle se met à jouer comme la première du coup.
dommage. Frère, laisse-moi, genre. Est-ce que c'est les trois du coup? Ah, c'est les trois. Non, c'est bon. Allez, c'est bon. Ça les gars. J'ai vraiment... Quand les trois... Oh, quand les trois se sont levés ensemble, j'étais pas serein. J'ai fait genre... Attendez. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment important que ce soit pas la taille, la taille du dard, mais vraiment la façon dont... Ouais, les esquives, tout ça. J'ai gagné quoi, du coup? Gagner le droit d'être content de moi, en fait. Let's go. Bah, nice. Bah, faisons comme ça. Le respect. Le respect, frère, vraiment. Je vais pas vous mentir, les gars, que la valeur qu'a pour moi le respect de trois mantes religieuses au fond d'une cave, je... Comment je m'en vais? Comment je m'arrache d'ici? Ah! Y a une porte. Vraiment, tu parles trop. Y a des lances, il y a des insectes mourus, il y a des... Oh, les petites... Regardez, il y a des petites... Oh, petites herbes, elles font blim 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 quand on passe dedans. Blim blim blim. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Oh, j'entends des bruits. Oh là. Oh, très inquiétant. Ni profond, mais en fait j'ai accédé à une zone en fait. Hmm. En fait c'est carrément une zone entière que j'ai débloquée là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Cornifex. Salut. Oh, il est trop mignon, regardez comment il est. Regardez. Cet endroit me donne la chair de poule, de petites créatures vicieuses font irruption de partout. Oh, regardez comment il est avec ses petites pattes sur le truc, il est caché derrière. À moins que vous soyez bien préparé, je vous conseille de partir immédiatement. Mais si au contraire vous vous sentez suffisamment fort, voudriez-vous acheter ma carte? Mais ouais, mec. Mec, je vais la prendre, ta carte. Ok, messieurs, dames, sur cette belle victoire, c'est la fin du live. Je vais... Il est 45. Je vais faire du sport, j'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous dis à la prochaine. Je sais pas si je vais live demain, j'aimerais vraiment avancer sur la vidéo demain. Je vais live à un moment dans la semaine, mais probablement pas demain. Voilà, c'était cool. Merci à tous les gens qui sont sub. Merci aux 4 parmi eux que j'ai pensé à remercier. Yes. Juste à la prochaine, en fait. C'était bien.